Et c'est avec un pile plaisir que maintenant, et me retrouvine, maintenant encore, donc sous antenne radio éclair et 100.5 et pour émission voilà, émission matin débat. Et est-ce que nous dépassons un bon week-end? Est-ce que vraiment, donc le week-end c'est était un week-end intéressant et pour chacun de nous et nous-mêmes qui c'est et petit pays. Salut tout le monde qui est dans le département de la Gandosse et sous radio Télé-Lambi. Et bonjour et au sénateur et Michel Clérier, également David Clérier, qui c'est PDG Radio et Télé-Lambi, qui permettent que nous dans Grandance, dans le département de Grandance Paysan, recevoir émission Matin Débat. Donc dans le sud, eh bien, au Coteau, nous gagnons plusieurs stations de radio dans le sud qui relayent émission Matin Débat. Je salue tout le monde qui est au Coteau. Et dans le sud-est, Radio Peuple, et sénateur Edo Zeni, que nous avons dit bonjour matin. Et dans l'émission Matin Débat, bonjour au sénateur Frankie Exius, et dans le sud. Et bonjour également à Alix Michel, et Radio Vibration Inter, qui relaye également donc émission Matin Débat dans le sud-est paysan, dans Jacmel. Dans Port-de-Paix, Radio Excel Inter, bonjour au sénateur Lucas Saint-Ville. Et bien, sénateur Lucas Saint-Ville, que nous saluons avec Madame Ni, tout le personnel, Radio Excel Inter, dans le département Nord-Ouest. Et Lucas Saint-Ville qui a pris position, lui-même matin, eh bien, et pour lui, capable de rentrer dans la bataille là encore. Mais elle est toujours là, elle a veillé, elle a regardé. Et elle a dit merci parce qu'elle permet que mon Nord-Ouest recevoir l'émission et Matin Débat. Non, et moi, c'est Nicolas, c'est Radio Marina FM, dans Jean Rabel, Radio Pyramide FM, Radio Télé Jean Rabel. Et puis, dans Saint-Louis du Nord, Radio Phoenix, je salue toute l'équipe là, et PDG Radio A. Et dans Gaumont, c'est Dany FM, dans Savanette, dans Savane Carré, c'est Inter FM, Clairvaux, en forme, dans nos pays, hein, nous saluons toutes les fidèles auditeurs émission Matin Débat, dans Plaine du Nord, dans Milo, dans Saint-Raphaël. Donc Saint-Raphaël, nous connaissons un pile jeune garçon là qui, eux même, va négocier, donc émission Matin Débat, dans Nord-Est pays, il y a une radio WanaVision, sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, et puis Radio Télé Nativité, donc dans mon Cochu, nous saluons le PDG Radio A qui c'est Ignace Saint-Fleur. Eh bien, lui-même qui est là, qui est sous banc, qui a chauffé. Donc, on a salué tout le monde, donc, dans Mombe Cochu, dans Caris, dans Valière, et dans Wanamet, et dans Fort Liberté, donc, qui branchait émission Matin Débat, dans plateau central, dans haut plateau, c'est Radio Débat, dans bas plateau, c'est Radio Panique FM, que nous connaissons déjà, donc, Joseph Alain Junior, et que nous avons salué, et Maître Mamous Pierre Toussaint, et Lucien Louis, et lui, que lui, donc, toute équipe là, en tout cas, qui branchait. Donc, émission Matin Débat, nous partons matin pour une belle émission. Une émission qui est chargée qu'on les bat. Donc, bonjour à toutes les amis, fidèles auditeurs qui n'ont pas de bouquet, Wildern Jean Eugène, eh bien, qui est fidèle auditeur émission ça. Donc, Christian d'origine, eh bien, qui travaille pour le développement donc, de quoi de bouquet. Eh bien, quand pile perspective là, pour quoi de bouquet, que, en fait, monsieur Wildern Jean Eugène lui-même l'a poté. Donc, pour la commune de la Croix de Bouquet. Et bonjour à toutes les amis, et qui n'en sento, et Kiss, et m'a salué Max Pierre-Louis et Max Kirol Pierre-Louis et toute l'équipe là, donc équipe branchée émission Matin Débat. Nandelma, bonjour à madame Marjorie Laforêt, mamie Robert, en fait équipe branchée émission Matin Débat. Nos amis qui sont donc également à Pétionville, bonjour à l'honorable député Thierry Tardieu, dans Keskov. Et bien là nous partis pour une belle émission Matin Débat. Bonjour à tout haïtien qui tout côté, et que ce soit en France et à Paris, et n'a vini très bientôt à Paris. N'a vini très bientôt à Paris, et là, n'a planifié, donc, pour nous, voir si, pendant le passage, nous, donc, à Paris, et si nous sommes capables de réaliser, et deux émissions, Matin Débat, donc, à Paris, parce que, pas oublier que nous, pour nous déplacer, nous allons aller en Arménie, donc, dans le cadre de 47e assise de la presse francophone, que nous-mêmes, nous sommes membres de UPF, Union Internationale des Journalistes Francophones. Donc, on a déplacé, nous pour aller, donc, en Arménie, et qui pas trop loin, donc, de la Russie. Et c'est du 7 octobre au 25 octobre 2018. Donc, on a fait escale à Paris, et là, on pensait que pendant que nous, et à passer petit temps à Paris, donc, nous sommes capables de réaliser deux ou bien trois émissions en direct, donc, depuis Paris, et là, m'espérer que, donc, les amis, nous, qui n'ont, et communauté haïtienne, donc, à Paris, nous capables de, ouais, comment, capables de planifier question ça. Madame, monsieur, bonjour à toutes les amis auditeurs qui m'ont amis, Florida. Et qui West Palm Beach, et qui West, donc qui West, donc très bientôt dans plat, et équipe ça, donc équipe
et équipe Joseph et Exantus. Donc très bientôt, donc Napki West. Et bonjour à tous tes amis fidèles auditeurs qui font le dédale. Nous saluons Alba Guidi, qui s'est représenté à l'émission ça, madame, monsieur, donc dans États-Unis d'Amérique, dans photo dédale. Et bien nous comptons avec vous matin dans l'émission Matin Débat. Bonjour à tous les amis qui nous ont ici. Et bonjour à Dina Robusto dans Miami. Et bonjour à Ketli Blantin donc dans New York. Et tous les amis fidèles auditeurs qui sont dans New York. Donc toute maman, papa petite. Donc qui dans New York City, donc qui pas négocier donc émission Matin Débat dans Queens, dans Spring Valley, dans Long Island et dans Brooklyn. Et donc ça c'est émission pour là, donc émission haïtien, émission côté que nous poser problème pays, côté nous parler parole pays. Matin, baba nous aussi donc restez devant radio nous parce que c'est important et pour nous connaître. Donc dans émission et dans émission Matin Débat. Donc il y a une parole pour nous connaître donc dans émission et Matin Débat de ça qui a passé dans pays. Bonjour à toutes fidèles auditeurs qui Montréal Canada et à World de Tunier et bonjour à toutes tes amis donc vraiment qui c'est fidèles auditeurs émission ça donc dans Montréal Canada donc bonjour à toutes amis qui Las Vegas Philadelphia nous connais haïtiens tout partout haïtiens qui en Russie haïtiens qui Venezuela haïtiens qui au Chili haïtiens qui République Dominicaine haïtiens qui et Brésil qui en Argentine et bien tout haïtien qui au Chili nous connais que grand pile demande. Eh bien, Matin Débat n'a venu très bientôt. Donc, nous avons pour nous venir réaliser très bientôt une émission Matin Débat, donc, en Chili, pour nous capables de poser problème haïtien, donc, qui a vivre pratiquement, donc, en Chili. OK. Et Matin, il y a deux bagailles pour nous noter moins rapidement, parce que c'est extrêmement important. Et noter article Sayo. Et noter article Sayo. OK? Noter article Sayo. Article qui n'a constitution. Article 105. Nous mettez-le en bas, chez nous. Article 105. Article 163. Article 165. Article 152. Article 150. Ça, c'est article que, moi, mandez-nous pour nous garder. Nous allons garder ensemble, madame, monsieur. Donc, dans l'émission Matin Débat, jeudi. OK? Donc, ma brevité pour nous. C'est article 105. Article 163, article 165, article 152, article 150. Donc, ou même qu'a fait tes recherches. Donc, vous mettez commencer et chercher article ça yo. Parce que nous allons regarder yo ensemble matin. OK? Et puis, il y a des gens là qui, pendant le week-end, ont fait déplacement. Ils sont allés presque à travers pays. Il y a toujours bon pour nous visiter pays. Il est toujours bon pour nous visiter pays. Hein? Et quand il y a haïtien qui a posé question sur pays. Il y a des gens qui a posé question surtout sur la couille. Eh bien, et me défend si on cherche pour nous, eh bien, il y a des informations que me capable de partager avec nous. OK, et nous va le permettre tout et vraiment donc et je viens de ton numéro de téléphone. S'ouvre le faire recherche pas et sur pays. Hein? OK. Donc il est très important parce que ça me connaît quand pile monde là qui relé maintenant ou gien là qui dit me loco me dans tel côté par contre côté par ça pour me faire qui est pour me parler et à qui est pour m'adresser et ben moi ba nous de trois références parce que qui est assez important donc pour pays. OK, et il y a des monde là qui t'a aimé aller et Tissentane qui t'a aimé aller et Tissentane qui t'a aimé et qu'on est donc ça qui tisse dans à le visiter à prendre connaissance donc de site ça dans son site religieux et gapil touriste qui toujours quitté pays là et qui toujours quitté l'autre ville de professeur donc qui allait donc tisse dans qu'à regarder qu'à visiter qu'à poser question donc il y a des monde là qui besoin qu'on est ça pour faire OK qui sont capables de faire contact avec la coussa avec site ça et ben nous va nous deux trois références matin hein? OK nous va nous deux trois références matin hein? Et puis nous même n'a pas connait qui gens capable et faire contact nous même personnellement pour nous chercher connait nous même personnellement donc ça qui gagne dans pays OK et pour Wadantia Wadantia quoi ça rempli le pouvoir et pour Wadantia et qui c'est Wavodou pays d'Haïti et Augustin Saint-Cloud
Mon gars, d'après les mandats de numéro de téléphone, nous sommes capables de contacter Augustin Saint-Cloud dans 3649 9444. Et quand il y a l'ambassadeur là dans le pays, semaine ça qui kembe Augustin Saint-Cloud très court. Quand il y a ici tout, en fait, qui tendait parler d'Augustin Saint-Cloud comme roi d'Anti, roi vaudou, eh bien, qui gagne en main pratiquement toute société dans le pays. Nous sommes capables de monsieur, contactez-le. Dans 3649 94 44. Et vous avez deux. Donc, si vous avez des recherches, vous-même qui avez fait des recherches sur Vodou, sur Vodou, sur le pays d'Haïti, ou même qui est États-Unis, qui est en France, Canada, et en Afrique, et vous avez des rois qui sont sortis en Afrique, qui sont sortis en Afrique, venus nous rencontrer avec Augustin Saint-Cloud, vous avez trois tout qui sont sortis en Afrique, venus et rencontrer avec Augustin Saint-Cloud. Vous avez un capoté là dans deux mois. Ok, vous avez pris l'émission dans 36 49 94 44. Mais, vous avez une histoire pour nous d'abord, nous, et maintenant. Même qui te le brise maintenant, ok, dans la question roi, frikio, ok, parce que quand il a dans c'est faux roi, ok, nous aussi sommes d'abord, ok, pour Grande Sainte-Anne, moun qui a souhaité aller visiter Grande Sainte-Anne, et qui a besoin de contact pour prendre information sur Grande Sainte-Anne, et bon, mettre des tipouches, dans 47 47 22 01, ok. Ça y est, contact Grand Saint-Anne. Je suis là, je suis là, matin. Ok, là, matin, je suis là, je suis là. 47 47 22 01. Et Grand Saint-Anne. Ok, maître Lé. Et puis là, nous, il m'a dit ce matin, débat, c'est Louko Désir. Il m'a dit ça clair. Je sais Louko Désir. Ok, je dis. Parce que nous-mêmes, nous, là, nous disons, on a fait promotion, la course à yo. Extrêmement important. C'est pas qu'on paye où. Et dans la situation, nous, là, je dis là, n'a pas raison de devant. Ok, soubez-vous qu'on paye, soubez-vous chercher qu'on paye. Que des bagages pour qu'on n'en paye pas. Eh bien, c'est aller dans la course à parler à mon zayo. Ok, pour Grande Sainte-Anne, numéro Grande Sainte-Anne dans la montée matin, il monte matin, 47 47 22 01. Nous mettons les petits bouches, c'est Louko Désir, donc qui va numéro de téléphone là. Ou à Dantilla, 36 49 94 44, numéro de téléphone et Augustin Saint-Cloud. Nous mettons les petits Louko Désir, numéro de téléphone là. Pour la course souvenance, la course souvenance, la gouba Joe. Bah là, il va y en amener matin, la rapide. Ok, la course souvenance, la Koussoukri, la Koubadjo. Eh bien, nous mettrons les rapidement. Donc, nous mettrons les rapidement. Madame Sheila Tanishma. Ok? Et nous mettrons les rapidement. Madame Sheila Tanishma. Dans 37 22 91 68. Bon, vérifiez pour nous encore. Ok? Madame Sheila Tanishma, Cap Banou. Exactement. Cap dis-nous exactement ça pour nous faire. Comment on est capable de visiter la cour souvenance? La mettre en contact avec la cour. Qui est capable de visiter la cour soukri? Comment on est capable de visiter la cour Badjo? Nous mettons en contact avec Sheila Tanishma dans 37 22 91 68. 37 22 91 68. Depuis le matin débat, n'importe quoi besoin sur le pays, c'est le matin débat aujourd'hui. Ok? Là, nous avons parti la cour. Ok? Donc, sous besoin qu'on est, ça va passer. Ok, ça souvenance, ça la couaille, ça soukrié. Ok, contactez Madame Sheila Tanishma, Mambo la couaille. 37 22 91 68. Sous besoin qu'on ait ça qui gagne dans Grande Sainte-Anne, ça Grande Sainte-Anne. Eh bien, contactez Tipouche, dans 47 47 22 01. Ok, sous besoin qu'on ait pays, à ça pays à y. Eh bien, contactez Wadantia. Et. Oh la palais.com. Augustin Saint-Cloud. Mettre contactez-le dans 36 49 94 44. On met Dieu ce matin débat, Dieu c'est Louko Désir. OK? Sous besoin qu'on ait ça qui a passé en fait dans Léogan. Ça qui gagne dans Léogan dans la cour, c'est Dominique. Il est venu là avant de dire. Et bien on met contacter Guy dans 37 46 21 82. Ah, c'est pour Léogan. OK? Pour Léogan. Sous besoin qu'on ait donc ça qui gagne Léogan dans la cour, c'est Dominique. Eh bien, grand pile bagaille pour qu'on est dans le pays. Ya. Ok, on m'a contacté Guy dans 37 46 21 82. Eh bien, ça a de quand même besoin de vouloir quand même participer et partager avec nous. Information ça, pratiquement, madame, monsieur, sous le pays. Ya. Ok. Pas oublier, moi, je dis déjà, regardez la constitution nous et regardez, vérifiez article 105, article 163, article 165, article 152, article 150. Et puis, nous pourrons parler matin. Nous parlons avec l'hymne national là.
et puis tourner la pause, et puis après la pause nous va regarder donc qui pourrait que nous va faire débat sur aujourd'hui et lundi 10 septembre 2018 là. Donc sur Radio Claire 100.5, également sur toute la radio qui a pris l'émission ça, également en Haïti et au niveau de la diaspora haïtienne. Tous les jours, de lundi au vendredi, 10h, 1h, le panel de Matin Débat informe, analyse, commente, suggère, sensibilise. Matin Débat. Les invités dénoncent, attaquent et contre-attaquent. Matin Débat. Pour une nouvelle Haïti, les enjeux sont de taille. Elle me plaît, bon bacala, pas pour le temps. Elle
avancer pour yon lot Haïti, en bas Haïti jarret à Wombakara. Comme il faut, cigarette pays, dis ça. J'en bon pour mauvais moment, comme il faut. Fait crever ou à pour café, comme il faut. Papio qui mange galon, comme il faut. Oh, 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 oh. Comme il faut tout clair, comme il faut tout temps. C'est pas n'est pas dans tout moment. Depuis qu'à bien 26 ans, c'est l'icaverne. Comme il faut tout le temps. C'est si pas n'est pas dans bon temps, mauvais moment. Lisez basse, pas. Fais-moi arriver, m'popo kawaka. L'enfosé n'en bas ou wap mon tigwa. Comme il faut, n'en mè ou wap chez mon tifam. Après m'fim l'offre, mais pas négocier. Fime bay gros problème santé. Pas 26 moun produit ça. Tous les jours, de lundi au vendredi, 10h, 1h, le panel de Matin Débat informe, analyse, commente, suggère, sensibilise. Matin Débat. Les invités dénoncent, attaquent et contre-attaquent. Matin Débat, pour une nouvelle Haïti, les enjeux sont de taille. Émission ou pral tande là, c'est une émission payée qui pas engager Radio Éclair. Émission ou pral tande là, c'est une émission payée qui pas engager Radio Éclair. Matin Débat, les grands points qui seront débattus à l'édition d'aujourd'hui. Matin Débat, les grands points qui sont donc débattus à l'édition de ce lundi 10 septembre 2018 sur Radio Éclair. 100.5 également sur toutes les stations de radio relayant cette émission en province, également au niveau de la diaspora haïtienne. Le docteur Réginald Boulos écrit au président de la République, M. Jovenel Moïse, dans une lettre ouverte. Les commentaires et analyses dans quelques minutes à l'émission Matin Débat. La démission du Premier ministre nommé, notaire Jean-Henri Séan, n'est-elle pas imminente? Ou du moins, c'est, n'est-elle pas une option pour le notaire Jean-Henri Séan? Les détails et commentaires dans quelques minutes à l'émission Matin Débat. Dossier Petro-Caribé. Les présidents impliqués sont-ils réellement des mineurs? Les présidents impliqués sont-ils réellement mineurs dans le dossier de Petro-Caribé? Dossier Petro-Caribé, les présidents impliqués sont-ils réellement mineurs? Les détails, dans quelques minutes, à l'émission Matin Débat. C'est ensemble de points avec l'autre que nous pouvons analyser, nous pouvons faire débat sur eux, nous pouvons faire commentaire sur eux. Jeudi lundi 10 septembre 2018, hein, sous Radio Éclair 100.5, également sur toutes les stations de radio reliant cette émission en province, également au niveau de la diaspora haïtienne. Vous écoutez Matin Débat. Matin Débat, 10h43 minutes. Et pas j'oublie ça. Et nous clair sur question Matin Débat. Nous avons affaire avec Moun qui se réchignant. Ok? Des bousses se réchignant, yeah, donc on va même besoin d'entendre Matin Débat. Et sous bagain cœur, pas attendez Matin Débat. Ok? Et Matin Débat, nous-mêmes, nous là pour nous dire la vérité. Rien que la vérité. Il y a des nègres là qui disent, ok, mon cher, nègres, ça, il m'a dit, bah, pas un problème, il y a pas un problème, mais pas un problème, mais. Information, je dis pas bon, hein. Bon, ça qui bon. Pour moi, si, ça va le dire, si, c'était pas samedi déjà. Et ça, lui, oui. Donc, Matin Débat, nous-mêmes, nous clair sur question, hein. Donc c'est pays à qu'une garder. Donc dans toute ensemble, dans toute facette li. Et Matin Débat nous banan quand? Nous connait ça déjà, Matin Débat pas quand. Matin Débat nous dans quand pays à. Ça fait Matin Débat c'est ba di c'est sur l'émission, c'est yon émission qui pied équilibré actuellement dans pays à. Yon émission qui pied équilibré actuellement dans pays à. Et bonjour, Jameson Benabe.
Bonne minute, vous êtes bien sûr sur la radio Éclair à travers toute la population haïtienne. On est là justement pour notre page culturelle lundi, notre première sortie pour la semaine. Ici Jameson Bernabé au micro pour les détails culturels. Normalement, grande nouvelle pour le slam haïtien, le slam qui a une tendance qui chaque jour gagne le cœur de la jeunesse haïtienne et n'a pas parlé de grand retour. Il y a un collectif qui est les HD Symphonies, un collectif slam avec des slameurs et comme Slamuel, Jetsé, et puis sans oublier chez Loplab Music et Keb qui sont guitaristes excellents. Ben monsieur dame, monsieur Saoki eux-mêmes yo a fait grand retour yo dans domaine slam en Haïti et il y a bien quelques performances Gonaïve 29-30 septembre et puis chez Loplab Music qui annonce une sorte officielle d'un projet, c'est un mixtape qui a appelé les symphonies d'un disque d'art et déjà cela promet bien entendu pour le slam haïtien. Justement, puis youn nan pi gwo et mouvement et qui était fait dans secteur slam nan, qui c'est pour être au prend la rue. Il y a une initiative de JB Tech Tech. Il faut dire que cet événement va récidiver en quelque sorte dans le cœur de la population haïtienne avec bien sûr des compilations, des projets, des spectacles et des projets assez intéressants sous peu avec bien sûr Poète au point Larry qui c'est une initiative de plusieurs slameurs qui mettent ensemble. Donc il y a en pile activité en cours et Quantique qui est brisé encore une fois qui sont mixtapes qui en préparation. Déjà c'est vraiment du bonheur pour le slam haïtien et surtout pour les fanatiques de cette tendance, le rap ou le slam ou et les poètes en particulier. Et pas oublier, pendant qu'on a parlé de slam, vendredi et 7 septembre, nous étions dans conférence pour la presse et côté nous tapons recevoir, alors nous tapons un groupe des autres jeunes notés, là sont jeunes groupes de Power Surge qui c'est un monde qui est habitué dans le milieu haïtien, surtout dans les affaires et musique, qui produit J.Perry, qui participait sous plusieurs collaborations avec Mika Ben ou bien Wyclef. Donc monsieur Sayo qui gagne yo même yo et jeune groupe yo te présenté dans presse café 7 septembre côté que te parlé de quelques initiatives que yo gagne groupe ça qui gagne là dans Alizé et Paul Papi et qui c'est deux chanteurs qui a vivent États-Unis. Donc monsieur Sayo qui fait yon groupe ensemble qui est les désordres, yo gagne déjà deux vidéos qui a pas présenté sortie officielle et groupe là qui c'est Oufem Show et Aveugle qui featuring J-Beat. C'est donc déjà n'a dit succès à Power Surge pour et groupe ça pas oublié Power Surge c'est en collaboration avec Frappe là qui sont groupe rap. Donc Power Surge décidé et mettez sous pied propre groupe parle qui c'est des autres sessions. Septembre et thème officiel festival ça c'est Rêve Boucanin. Jeune des Zélans, c'est un festival qui a bien là dans le débat, causerie, marche artistique, spectacle, danse et tout ça à travers cette activité. Là bien là dans slam, théâtre, chant et danse. Bah, c'est son festival qui est assez intéressant que bien entendu on aura l'occasion de vivre à la loupe et les détails sur ce festival qui a fait du 24 au 29 septembre avec bien sûr festival Nègues Marron. Et pas oublier thème non année ça c'est Rêve Boucanin. Et jeune des annoncé et pas oublier Maurice Sisto qui c'est yon l'audience extraordinaire passé bien entendu de présentation par une génération qui parle de Moïse Sisto. Et ben nous gagnons Arnold Antonin lui-même qui réalise un film sous grand audience, c'est ça qui c'est bien sous Moïse Sisto, un film de Arnold Antonin qui c'est le prince de l'oraliture. Je ne te dis et sorti officiel la fête Caribe Hotel 10 octobre. Donc déjà et tout cinéphile, tout monde qui aime le cinéma, tout monde qui aime Moïse Sisto bien qui t'a aimé fait connaissance avec grand audience, c'est ça. Rendez-vous c'est pour le Caribe 10 octobre avec bien sûr le film de Arnold Antonin, un film supporté par et Focal et en collaboration avec la Fondation Moïse Sisto et quelques autres partenaires qui rendent possible initiative ça en bas que nous très saluer parce que Moïse Sisto c'est vraiment un monde qui est extraordinaire. Et pas oublier pour finir dernière information, c'est avec bien entendu la sortie officielle de l'opus Tamara Suffren, son dernier opus qui sortira bien entendu le 13 septembre 2018 et titre album non c'est Impulsion déjà et Napton et toutes les amis qui aiment Tamara Suffren pour et Ventina tout ça qui a fait bien entendu le Villa 13 septembre. C'est sûr que l'équipe culturelle de l'émission Matin Débat sera là pour plus d'informations. Merci beaucoup Désir, merci à toute l'équipe de la Radio Éclair. Plus prochain rendez-vous c'est pour demain et restez sur Radio Éclair pour suite pour programmation. Quant à moi-même n'a pas cassé rendez-vous demain pour l'autre page culturelle. C'était Zami Paul Jameson Bernabé. Qui peut me parler d'un matin débat? Émission faible, c'est si foyon en moment. Sous 100.5 l'an depuis 10 FM. En dans radio éclair avec équipe Loco Désir. Matin débat, qui gosse, gosse pour nous parler. Matin débat, qui bagaille, en pile bagaille pour nous faire. Allez,
Che peble la fè yo senti yo mwen Mette de yo, kose yo ti kache Emisyon pa ou nan, emisyon pa ou nan Emisyon peble la, emisyon nou ta blen yo Emisyon pa ou nan, emisyon pa ou nan Emisyon peble la, emisyon nou ta blen yo Martin Deba, emisyon peble la. Bonjour bien Ronald Sarilus. Bonjour Loco, bonjour tout le monde. C'est toujours avec même contentement que nous entrons la Caro matin pour nous porter pour actualité sportive là. Et nouvelle lance dans toute bouche, de tous côtés. Nous connaissons déjà Naomi Osaka et qui c'est une tenniswoman japonaise et d'origine haïtienne. Et bien Naomi Osaka, les championnes de l'US Open 2018 et côté que les battent en finale et bien dimanche c'est que se passer là et qui était 8 septembre dans le stade Arthur H, la star du tennis Serena Williams qui n'a aucune connaît, qui c'est 6 fois vainqueur de l'US Open en 2-7, 6-2, 6-4. Et c'est deuxième victoire de la jeune de 20 ans et face à son idole Serena Williams. Et Nabzou que dans deuxième rencontre dans le tournoi de Miami, eh bien Naomi était sans pitié et contre l'américaine de 36 ans, laquelle était battue 2-7 en 2-7, 6-3, 6-2. Eh bien dimanche qui s'est passé là, japonaise là, lui offrit une prestation extraordinaire face à Serena Williams et qui vraiment est fort solide d'après ça. ESPN t'a souligné et t'a semblé sauter, hein, il t'a surprendre et face à niveau de jeu de adversaire lien en parlant de Naomi Osaka. Il t'a vraiment joué bien et il t'a mérité victoire, lui, d'après déclaration que Serena fait. Et c'était toujours pour moi un rêve et pour me jouer contre Serena. Dans l'occasion finale, moins content en pile, le fait que me joue une chance là, et me gagne une opportunité faite. C'est déclaration que Naomi lui-même lui fait sous Bopal. Bravo, et merci à notre Naomi, ça c'est déclaration et chef d'État pays d'Haïti, en parlant de Jovenel Moïse, et qui lui-même, il fait connaître que Naomi rend tout Haïtien fier, je dis, hein. Haïti, donc, lui partage victoire ça, et gros victoire ça, et lui partage joie ça tout, que Naomi lui-même lui mettait dans que tout le monde avec exploit qu'elle fait dans Grand Chelem, yon compétition que tout le monde t'a aimé gagner. Et il dit que il souhaitait que Naomi continue à faire jeunes haïtiens rêver et montrer au chemin et pour que yo même l'autre génération capable venir yo capable continuer sous même succès ça et aller et faire même plus bagaille que ça. Fonzo gagne un pile monde tout qui choqué et par façon et New York Post, c'est lui-même, est qualifié de honteux, et façon que madame Nantes fait présentation, eh bien, est champion avec, et perdante là. Et côté que l'était bail toute gloire, avec Serena Williams, qui lui-même sont, au monde qui perd du final là. Et pendant ce temps, l'était minimisé, eh bien, victoire que Naomi Osaka fait, hein. Et Fonzo, New York Post qualifié de honteux, façon que US Open, comité US Open, l'était traité Naomi Osaka. De l'autre côté, Nabzou que c'est jeudi que sélection nationale pays d'Haïti en pral gagner pour le Toke Conni dans stade Silvio Cator avec Saint-Martin et Nabzou dans la déclaration que sélectionneur et national lui-même l'y fait dans l'occasion match que sélection senior a fait face à équipe des moins de 20 ans, un match qui était disputé jeudi passé en Parc Levelt côté que gros sélection en TK l'été sélection 5-1 et bien sélectionneur pays d'Haïti en Marc Ecola l'y dévoilé vraiment sans langue de bois objectif l'y pour Ligue des et côté que il fait qu'on est grenadier yo doué donc à tout prix et bien yo même et joindre billet et qualificatif yo et surtout le remporter le plus et grand nombre de matchs possible et bien jeudi lundi hein, face à Saint-Martin dans stade Silvio Cator à côté de 6h30 PM et bien technicien et national là en parlant de Macola il fait qu'on est que et c'est une obligation oui l'indispensable pour que Haïti lui-même l'y remporter rencontre ça je dis ambition nous dans Ligue des Nations, c'est pour nous retrouver nous dans Ligue A, dans l'idée pour nous capable affronter les meilleures équipes de la zone et pour nous faire lui, je dis nous devons commencer par un succès dans le premier match nous aujourd'hui. Je dis victoire dans Ligue indispensable pour nous et pour première journée ça et le fait que nous jouons à domicile, c'est pour elle peut-être un bagage qui prépondérant donc pour nous faire résultat souhaité pour nous capable jouer billet nous pour Ligue A et que nous connaissons qui déjà gagné la dernière des équipes qui ont même déjà qualifié d'office. Et
l'on prend des pays tant que les États-Unis et le Mexique et Trinidad et Tobago et Honduras, eh bien tous les pays ça eux-mêmes yo déjà gagné un billet dans mayo par le fait qu'ils ont déjà gagné un niveau qui très élevé et ont participé dans tous les gros événements qui fait dans zone. Et puis avant que ne fini, n'a pas que deuxième journée championnat national première division et pays d'Haïti ont été déroulé pendant le week-end samedi 8 septembre 2018 dans Parc Sainte-Thérèse, Don Bosco, Cali Valencia, 2-1. Gol était marqué par Canès Jean-Charles dans 37e minute de jeu. Gain Bruce Max Kelly Clerger qui était marqué deuxième goal là dans 60e minute pour le Don Bosco. Et puis James Jacquet était marqué dans 89e minute pour Valencia. Dans Parc Saint-Victor, il y a AS Capoise, ASC, qui bat FC Petit Gouave 2-0. Gol lui était marqué par Charlot Génélien, 27e minute. Jean-Baptiste et Gladiani, qui était marqué dans 69e minute. Et puis, dans dimanche, hier, il y a dans Parc Jacques Kaoli, AS Sud-Est, qui lui-même calé AS Mibalet, un gol à 0. Gol lui était marqué par Matador Jean-Pierre, dans 15e minute de jeu. Et puis, dans Parc Saint-Victor, Real du Cap, lui-même, lui calé Cosmopolite, sous un score de tennis, 6-1, et gol yoté marqué par Johnson jeudi, 26e minute de jeu, Romulaire Amboise, 40e, Valdo Etienne, 43e minute, Dorvilus Edmondo, 73e et 76e minute, qui font doubler, et puis gagné Yves Todor, qui était marqué dans 91e minute de jeu, et pour équipe Real du Caplan, et puis, et Bachmi Joseph, lui-même, lui, était marqué dans 89e minute pour équipe adverse. Et puis, Nabzou, que, n'a pas que Miguel Saint-Jean, gagné Racine Dagonaïve, qui lui-même, était face avec Akaye calé Racine Dagonaïve yon gol à 0. Racine Dagonaïve pas promettre en rien dans championnat pour début championnat ça. Et puis dans Parc Gérard Christophe et gagné Cavalli qui lui-même calé Baltimore yon gol à 0. Gol l'ont marqué par Adler et Madi. Et puis dans Parc Levelt Tempête lui-même calé Fika 2-1. C'est l'Elwal ni bien aimé qui était marqué dans 7e minute et puis Jimmy Ordena dans 39e minute pour Tempête et puis tu gagné Bonius Stanley qui était marqué dans 44e minute de jeu pour équipe FICA. Classement comme allié, gagné Akaye qui est en tête avec 6 points, deuxième Real du Cap, 4 points, troisième Tempête lui-même gagne 4 points, quatrième Cavalli 3 points, cinquième AS Capoise 3 points, sixième FICA 3 points et puis en 8e et 9e et 10e position, nous joignons AS Mibalet Baltimore avec AS Sud-Est. Madame, monsieur, c'est là que nous mettons un bout avec les premières sorties. Cinq ans depuis 10 FFN, on a radio éclair avec équipe Loco Désir. Ma tête est bague et gosse, posez pour nous parler. Ma tête est bague et bagaille, on pile bagaille pour nous faire. Allez, je peux la faire, on se dit au moins. Mettez dehors, posez au plus caché. Émission Paola, émission Paola, émission Pepla, émission Nota Mariola. Matin débat, émission Peuple. Matin débat, émission Peuple. Bonjour Samantha Setama. Bonjour Loco, bonjour Haïti, bonjour la diaspora, bonjour chaque zami auditeur, auditrice Matin débat. Bienvenue dans la première sortie, bulletin nous pour semaine. Ratification Premier ministre nommé à M. Jean-Henri Séan, assemblée trouvée dans une impasse difficile côté un groupe député majoritaire imposé président République là pour reconduire ministre planification Aviol Fleurant dans nouveau gouvernement. Selon information nous, Premier ministre nommé à assemblée présenter démission verbalement par président République là Jovenel Moïse. Dossier corruption golevé campé fête hier dimanche là dans capitale là côté plusieurs centaines citoyens prend la ria pour mander l'état haïtien ak la justice pour faire lumière pour yo sous gagotay l'agent Corp Petrocaribea. Côté manifestation si la te commencé Pétionville fini ak gros panique en protestataire yo ak la police sous la lue dans lancer gros causé boule caoutchouc et la trier. Toujours dans sa dans actualité locale là, président Sénat Joseph Lambert ak président Chambre député a Gary Bodo fait sortir une note pour vendredi qui était 7 septembre là pour inviter parlementaires
parlementaire législatif yo jodi lundi 10 septembre lan nan bloc midi pour clôturer deuxième session ordinaire nan législative la nan sans ça bureau assemblée nationale la profiter présenter compliment bay chaque grain parlementaire 50e législative la nan honneur pour yo porter connaissance yo nan article 92.2 Jean Constitution 1987 amendé exigé ya. Toujours nan sa ki gen awè akòp Petro-Karibea, président République lan Jovenel Moïse rencontré nan Palais National jou ki te 6 septembre kek mamb nan Cour supérieure des comptes sous affaire gestion akòp Petro-Karibea. Nan optique sa, chef l'État haïtien fè konnen li renouvelé engagement ak institution si la sou dossier sa pou li kabal bon jan accompagnement, yon façon pou yo ka fè bon jan lumière sou akòp Petro-Karibea. Et pour finir, Fritz Robert Saint-Paul, qui est président CSCCA, invoque difficulté jugeo a fait face sous affaire vérification approfondie comme Petro-Caribéa. D'après lui, il manque l'argent, côté c'est seulement 10 millions goudes, l'État haïtien t'a débloqué. Et yo ta besoin 27 millions pour yo ka fè audit sou 300 projets, mais d'après chef l'État haïtien, li prévoit décaisser l'autre fonds nan prochain budget rectificatif la. C'est là nous mettons en bout ak information bulletin nou pou matin. Rendez-vous demain nan même léa sou même fréquence lan, 100.5 Radio Éclair Matin Débat pou yon l'autre bulletin pareil. Nan donc équipe la, moi souhaite nous passer yon bon commencement semaine et rete branché pour reste programmation nou. Merci Samantha Sedaman, le temps de la pause. Kicks. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer, pour séduire. Les pas boule gaz. La pmeneo n'importe qui côté. Nan mon, Nissan Kicks là, c'est flon. Sous tes plates même, c'est balle les gars. Nissan Kicks là, gagne un power steering électrique, yon système son rololoy, gado soli très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, li gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, gagne belle machine ça, en prix spécial, prix promotionnel. Parce que, objectif, nous, dans Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler aux machines Nissan tout neuf. Kicks. 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 Où vous voulez, quand vous voulez. Viens admirer, viens essayer Nissan Kicks là, dans nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Comme il faut. Cigarette péria. Tire ça. D'un bon coup, mauvais moment. Comme il faut. Fait lever wap pour café. Comme il faut. Apio qui mange. Tout moment. Depuis qu'à bien 20 ans, c'est l'icaver. C'est comme un pape. Comme il faut toutes les tout temps. C'est si pas les bam. N'importe un mauvais moment. Lisez bas. Fais moi arriver. Popo kawakla. Donc on s'en en bas ou wap mon petit gof. Comme il faut non mais wap chez mon petit femme. Après un film l'offre. Mais pas négocier. Fime by gros problème santé. Pas 20 si moun produit ça. Maté débat. Ok, bon. Il fait 11h et 4 minutes. Jeudi, c'est lundi 10 septembre, c'est première sortie, émission Matin Débat pour ce maintenant, et sous Radio Éclair 100.5. Et Matin Débat, et pas yon émission tant que toute l'autre émission. Jeudi, Matin Débat, m'kwè que, et bien nous même kap dil, mais ou même tout qui sont auditeurs émission ça, ou rendons compte que, pas gagné nous dit qu'il a, que nous dit dans l'émission Matin Débat qui pas arrivé. Ok? Et pas gagné nous dit dans Matin Débat qui pas arrivé. Ça fait que l'émission ça, l'émission, une émission, cap joue un rôle là, déterminant dans le pays. La question information. Même quoi que je dis à nous satisfait parce que, nous avons un peu de monde qui ne comprend pas ce pays a été et la réalité politique du pays. Il y a des gens qui ne comprennent pas la politique, eh bien, je dis, et qui commencent à comprendre ce qui est politique pays d'Haïti à partir de l'émission Matin Débat. Et nous disons merci pour ça. Et je crois que nous avons continué le travail et nous avons continué à informer. Nous avons continué à permettre de comprendre bien. Donc, ça. Réalité politique pays chaque jour.
Dans ce pays d'Haïti que nous avons, ils vont pays qui facile. Donc, ou même qui c'est citoyen, qui dit que ou intéressé à pays ou, eh bien, faut qu'on comprenne pays. Pour comprendre pays, c'est tendez bout tendez radio. C'est tendez bout tendez émission, tant qu'on matin débat, et qui c'est des émissions de grande écoute. Là, en passant, m'a salué, et maître Jean-Oreste Morin, et maître Osnel Jean-Baptiste, donc, monsieur Sayo, et chaque soir sur Radio Zénith. Et qui a fait même travail ça, ensemble avec nous. Et m'a salué Maître Morin matin, hein? Donc une émission Matin Débat. Avant nous entrer dans la question d'actualité, yo, et qui passe pendant le week-end, non? Mais dans le week-end, non tout, pas oublier de déplacer, nous allons aller sans solme. Et pour funérailles, maman, bien matin, t'as tout. Nous songeons que ici, hein? Et c'est la vie nous qui participons sous table chaque jour. La vie bien matin à tout. La vie Esaü César. Et la vie Louko Désir. Tout le monde connaît. Et qui ça nous a fait. Tout le monde connaît. Et façon de penser nous. Donc ici, on a émission Matin Débat. Et Makatu Douya, ancien candidat à la présidence, homme mystique de son état, ouais que le jour du 4 septembre dernier, dans l'occasion anniversaire émission Matin Débat, il a dit que ça qui est là, le mystique. Et le côté de Zibet Zibapal, qui sont garçons. Et bien matin à toutes, Bédi Maman, qui sont femmes. Et puis entre deux ans, Monsayo, où vient jouer une naissance, qui c'est Esaü César, qui mettait au monde, donc petit garçon, et qui est le Giovanni César. Donc pour Makati Douya, donc ça c'est du groupe porté mystique. Des gros portée mystique. Eh bien, pendant le week-end, donc, nous nous déplacés. Nous allons justement donc, dans le département nord-ouest là. Et dans ce sens, plus précisément, eh bien, pour les funérailles de maman, bien matin à toutes. Et je me dis que tout ça a annoncé dans l'émission que maman te voulait en fête, en festival. Maman te voulait en bal. C'est exactement ça que je veux. Les mauvaises chansons, moi, que c'est ton commune qui était en fête. Et c'est un festival pendant 3 jours. Tout le monde est dans la rue. En pile musique, en pile ambiance. Et bien, c'est l'ambiance ça que bien matin, t'as toutes les mêmes l'été. Et bien, dernier, vous voyez, voilà. Donc, à maman, bien matin, comment vous voyez? Et est-ce que moi, là, correct? Loco, bonjour. Alors, bonjour. Je dis, le bonnet, c'est bonjour. Non. Alors, bien, aux amis qui les moi, et vendredi, bien matin, comment vous voyez, je dis, moi, je vais dire, moi, je vais faire un café du moment. Quand vous avez dit, moi, forme. Très bien. Alors, bon, en tout cas, nous, là, et je pense que ma forme et donc famille là vous connaissez et nous chansons là moi dans la cour père et la cour Notre-Dame de Lourdes nous connaissons bien et père gain radio Notre-Dame de Lourdes hein? Et donc nous on a père moi venir fixer quelques petits bails et pour question les veines et puis messe bien, bien. Donc c'est ça oui bien bien. Donc tout va bien passer, moi, son festival et que nous obligé de faire pour mamie. Bon, même pas sur table du monde, comment on y veut, Chassol. Bon, oui, mais les gens vont y veut. Oui, les gens vont y veut. Et tout à fait, je dis tout le monde merci, vraiment tout le monde merci. Et moi, je dis vérité, coordination vérité, Dimitri Vob, en tout cas, je dis tout le monde merci. Moi dit radio télévision éclair merci et vraiment moi dit tout le monde merci tout et parlementaire hein et qui t'ai relé moi et moi dit tout merci et tout le nord-ouest alors gen moun nord qui t'ai fait déplacement gen moun gonay qui t'ai fait déplacement en fait moi dit tout pays merci qui t'ai vraiment venir participer avec point final là et c'est samedi hein 8 septembre. Très bien. Bon, et j'en dis à Louko, faut que nous mêmes petites respecter tout ça maman t'a dit. Donc toute bagaille respecter. Alors moi t'as posé mon question, comment on fait ouais, tout le monde tout de blanc? Oui, et maman m'a demandé pour tout le monde de blanc, tout de blanc. Pour que ça monde pas de costume non. On t'a dit puisque maman nous m'a dit nous tout de blanc. Bon, tout nègre mettez tout le monde mettait même chemise, pantalon blanc, et c'était sa question à payer. Donc, pour nous, t'as le déposé comme on a. Faites la finie, finalement. Hier soir,
Général Leclerc, vous voyez, monsieur débatté, ouais, je prends deux, trois bouteilles de rhum là, et puis bon, aider à chaque côté, t'es là de lumière dans la rue. Ok. Parce que plus gros. Alors, bon, mes remerciements, je vais l'église, là, c'est Magistrat Odès. Ok. Magistrat Odès porte au presse, nous collègues, nous avons une côte dans la radio. Hein? Parce que l'entrée hier, nous te mettons tête ensemble avec Magistrat, moi, dit, dans l'occasion de garder véhément, mamba, il faut que EDH l'humain, là, oui. Très bien. Eh bien, moi, Magistrat, nous te mettons tête ensemble, il veut port de paix, nous dit EDH port de paix, et merci beaucoup. Donc, tous messieurs étaient d'accord, vous et techniciens, et EDH l'humain pendant 3 jours. Eh bien, ok. Mais ce n'est pas grave, je sors, puisque système, là, son système est président Prévaltebaï qui ont 350 kW. Alors, nous, là, on est là, oui, je sors, 350 kW, là, trop gros. Pour bailler courant dans la rue. Faut bien abonner. Mon yé était fait une tentative. Quelques moun t'es entré courant la caille, ben, la pas traité. Ok. Ouais, ça me le doula. Okay. Mais si moun chansol, pas d'accord pour entrer courant la caille, chansol pas j'aime gagner lumière. Parce que si vous passez 350 kW là, à ampoule seulement gagner dans la rue, et ben, la casé. Très bien. Ouais. Bon, en tout cas, j'en ai là, et moi, t'es ensemble avec Delice. Et n'a dit Delice, merci beaucoup, parce que Delice, c'est un artiste qui était déplacé pour te jouer, non, et de cadeau, non, veille, et pendant 2 jours, hein. Delice tapait ambiance avec conseil de l'autre musicien, et t'es gagné l'autre musicien qui se porte de paix. Lugo, vraiment, c'est un gros bagage. Eh bien. Ok, et président, et, en fait, la première dame de la République, madame Martine Moïse, la paix chanson, les jeudi, hein. Oui, c'est dans l'église hier matin, nous-mêmes nous apprenons ça par l'église en paix à te parler de ça. Ok. Et madame la présidente Martine a la Kaili. Mais ça, mais paix a tout relaté en bagaille. D'après paix, près de Chassolan, il paraît que le travail qui t'a fait là, ou bien séparation, madame. Madame Blaise qui était n'a pas avec madame, il dit madame Blaise, dit madame non, lycée moun commune chansol, li pa moun localité en gros. Yeah, donc ben. Si la belle valise, c'est pour une belle toute commune en valise. C'est ça. Bon, père te dit la messe là encore, li prale le madame non pour dire madame non, ou c'est moun commune chansol, c'est pas localité en gros. Yeah, ben. Bon. Mais, comme magistrat à Port-au-Prince, magistrat t'a dû rejoindre ensemble avec vous. Maïsia assemblé, Maïsia Odezi, il est au courant si madame n'a pas venu. M'pas qu'on est. Si Maïsia a venu dans la radio, donc là, explique-moi. Jusqu'à présent, moi, dans la commune, là. Okay. Est-ce qu'elle a toujours venu? Est-ce qu'elle va venir? Moi, m'ta bien, mais ouais. Et pour une fois, hein, pour m'assister, madame n'a pas venu dans la commune, m'ta bien, mais présent. M'pas qu'on est, c'est la venue. Même moi, j'ai tout mouvement la rue, hein, élève Capra Ban, et mettez, dans l'école nationale, m'a connaît, et si c'est arrivé, madame, à planifier. En tout cas. Mais si c'est arrivé à planifier, jusqu'à présent, il faut qu'on arrive. Eh bien, d'accord. En tout cas, merci en pile, bien matin à toutes. Et merci en pile. Et bien là. Lugo, c'est moi pour dire merci. Donc, matin débat, radio télé éclair, et tout le monde, et de façon ou l'autre, qui t'a écrit, qui voit un message, par contre, qui participe, j'ai participé. En tout cas, je me dis merci. Et puis, Louko, mercredi matin, on a son ensemble. Maintenant, d'accord, merci en pile. Bon, voilà. Là, c'était donc les mots de remerciement du député Pierre Martin Tatout, en fait, ancien député et collaborateur, nous, collègue nous ici, hein, donc dans l'émission Matin Débat. Isaïe, comment est-ce? Bonjour, Louko, bonjour, toutes amis, auditeurs, auditrices, Matin Débat. Et nous là, nous t'égonti retard par rapport avec looping nous continuer faire. Looping toujours? Hein, looping. Ah ça y est mon cher. Non, on fait qu'à faire looping. Ah ça y est mon cher. Non, on est bah au fond. Quel looping toujours là? Ah looping net. Moi j'ai dans faire looping, bah bon mon petit ami. Reginald Boulos, docteur Reginald Boulos, vol au secours des parents à l'occasion de la rentrée des classes. Ça c'est mercredi après question ça. OK. Mercredi après question ça. Donc et nous parlons de la question ça donc mercredi. Donc mercredi, ça y est, ou pas gagner un looping toujours. Okay? Non, pas bon, c'est un looping. Et ou pas gagner un looping. Ok? Et pas gagner un monde qui a pour le matin, donc on a parlé de looping. Okay? Oh, comment ça? Ah.
ça obligé. On pas gagne loupine toujours dans ça. Oh, loupine. Ça fait ça. Les gens monsieur qui débat là monsieur. Mais faut faire loupine pour peuple là. Mon fin faire loupine. Non monsieur comment ça? Peuple là pas comme une non. On fait loupine toujours. Peuple là ria il ko. Ah ouais, quoi qu'on est comme ça peuple là la ria. Peuple là ria fait pas bon non? Ça quoi? Ah, bah. Ils sont quoi exactement? Bah connais, bah connais. En tout cas, d'essayer, si j'ai un débarqué. Non, demain, non, si j'ai un débarqué, là. T'as voulu dire demain? Oui, tu sais, chaque mardi, oui. Oui, chaque mardi. Chaque mardi. Donc, si j'ai un débarqué, là, là. Si j'ai un marassa, gain nouvelle, gain information. Là, le fouillé, zone, à la loup. Selon l'information, le quitte, bah, là. Demain, gain, si demain, si j'ai un débarqué, là, là. Chesnel Pierre, gain information, vous voulez. Oh! Ah, directeur général, Ona, gain bagaille, vous oh! En tout cas, là, ça le tout le monde, Ona. N'a salué tout le monde dans Unibuck, n'a salué tout le monde dans BNC, okay. N'a salué tout le monde qui est dans toute banque commerciale et n'a pas pour que vous puissiez publicité pour nous tous parce que nous n'avons pas qu'à fonctionner sans publicité. Nous avons une publicité. Franck Jaloubin. Yeah, ok, bon, et ça, je suis content que là. Et week-end qui saute passé là, c'était week-end la nativité. Ouais. C'est fête Notre-Dame de la nativité. Petit tour de Nip. Tout côté, plusieurs côtés dans le pays. Ouais. Notamment. À petit tour de Nip, ouais. Nous comptons déplacer Esaïe, ouais. Nous allons faire parler, nous allons faire parler de ouais. Comment fait atterrir dans petit tour de Nip. Ouais. Et de faire activité dans Terre-Neuve, et de faire activité dans Verrette, et de faire activité dans la caille directeur général bien pas de là. Dans Montbécochu. Montbécochu. Et de faire activité dans île de la Tortue. Et Pierre Ronald de Sarulus, ou même qui était présent dans Verrette. Chaque t'est passé dans Verrette. L'occasion fête nativité. Et encore une fois, je salue tout le monde qui est dans matin débat, et matin, qui a suivi avec intérêt. Et il faut me dire que nous débarquons Verrette et depuis l'an 7. Donc nous sommes débarqués dans la cour Verrette. Et il faut me dire qu'on a un incident, qu'on a un événement produit. Chaque passé dans fête Verrette, c'est un bagaille tête chargée. Du jamais vu. Ah, du jamais vu. Chaque passé Verrette. Hier dimanche là. Et gon bagay qui produit c'est samedi de préférence samedi c'est le samedi ça t'est fait samedi gon incident produit dans la couverette pendant que eh bien Yves Marie Payan accompagné de un paquet l'autre et gros pain dans pays il y a gros monde dans pays c'est monseigneur Payan eh bien monsieur Sayo t'a célébré messe là dans l'église catholique dans l'église, l'église catholique dans la couverette ça passé même bagay t'a bien déroulé depuis dans 8 comme jour aux environs de midi moins quart comme ça samedi 8 samedi 8 septembre là la gars c'est yeloko mon respect la gars sensationnel net on avance gon équipe jeune garçon à jeune femme pendant 4 nan main k'ap réclamer l'argent Petro Caribea qui débarquer dans l'église là oh aïe aïe yeloko mon cher c'est bon Jean Petro Caribe qui te remet ça Peyo. Pas une jouette même. Par contre, qui est-ce que vous avez dit? Par contre, si c'est magistrat, par contre, si c'est député, par contre, si c'est sénateur. Eh bien, nous venons chercher tout nègre que vous connaissez, qui est dans l'État. Oh, tout jeune garçon. Qui implique tout jeune garçon vers l'État. Débarqué, pendant 4 ans, mais tambour, tcha-tcha. Vous venez marrer nègre Petro Caribe. Oh, oh. Nègre arrivé devant Barry Azamim. C'est courir, responsable de l'église, courir. Mettez pas ces cadenas, pas ces chaînes. Jeune garçon, goutou goutou dans la barrière, oh. Goutou goutou, oh. Barrière tremble. Retenez-vous de côté la game, à terre, mon cher. Mais c'est quoi ça? Ah, mon cher. Loco, tout le monde prend la rue, tout le monde sort de dans la cour parce que, il va prendre qui est intentionné, yo. Si on chavire la barrière, qu'est-ce qui donne là? Par contre, qui s'est prêt à le passer? Qu'est-ce qui donne là? Mon cher Loco, heureusement, pas gen yon nan autorité qui élu dans le secteur, dans la zone, dans le département, qui était présent. N'a goûté qu'on est? L'audi. Ça que t'es paré pour yon? L'audi, bah, yon, non, il y a. Début de verre, là, pas de là. Il est là. Début de verre, là, donne-le. J'étais là. L'église, là. Mais après ça, quel t'es Yuri, là, toi-ci? Il pas de là. Quel t'es Gracia Delva? Il pas de là. Quel t'es Calmi Racanta? Il pas de là. Quel t'es Whatever Lot? Il pas de là. Faut qu'on ait des pouvoirs dans le département. Yun, pas de pied. Mais c'est Mounsa ou t'as cherché d'où? C'est Mounsa ou t'as cherché, même. Oh, Luko. C'est Mounsa ou t'as cherché. Oh, Mounsa dit ça même. C'est lui, il a cherché Yuri, là, toi-ci. Oh, Yuri. Équipe 24 là, a demandé pour Bali Yuri la Toti. Oh! Samedi, midi, samedi. Yes, samedi, aux environs de midi moins quart. Eh bien, chaîne garçon verrette. Eh, monsieur, j'étais tellement, bon, peut-être, il n'y a pas d'information si autorité ça au pat là. Mais cela finit.
dans la vie où on dans l'homme où on débarque à bord tout bagarre tout fini parce que conseil de monde qui était là par exemple moi-même qui était là Watson Désir du mouvement Perspective 2022 qui était présent dans Meslan c'est pas la petite porte tout à fait nous sortir parce que nous pas sortir dans gros barrière pas moyen pour sortir mon cher c'est drap pour mettre sous pour sortir bien oui parce mais, que bien bien en forme mais je vous sortir faut je vous sortir parce que monde veut être avec la sous que monde campé déterminé impliqué, engagé, yo pas quitté devant l'église là pas avant que pas joindre ça pour foutre ma code. Oh. Eh bien, il était 4 de l'après-midi, près 5 heures, mon yo pas de chambre qui était manifesté pas de chambre qui était l'église devant l'église là. Oh, de quoi est-ce motivation? Mon yo était là. Alors bon problème là. Mais mon conseil oui pour te de ce pédo caribé qui met de ça. Mon cher et de la presse. On pas bon menti. Après événement qui produit dans Gonaïve semaine dernière yo et dernière information qui a circulé sur les réseaux sociaux en tant pays a et femme de tout mon yo pas égaré mon yo connait tout monde qui impliqué dans dossier Petro Caribe tout monde qui a fait théâtre tout monde qui a joué feuilleton peuple là a tenir côté pour tenir et ça passe l'autre jour c'est peuple là vrai ah ma conne c'est peuple là vrai jeunesse qui dans la rue jeunesse qui dans la rue ligue code dans main et li pare bagaille a tant en pile ça Elis on ta nous même dans la presse pour nous faire recul pour nous faire dans dossier ça spécialement fann konn qu'est-ce qui initiateur li ouais peuple là yo fouer peuple là tout bagaille pourtant nèg besoin régler affaire et tant qu'on bonne réaction sorti. Et puis, c'est le président là, c'est mon concours de oui, voilà. Bon, moi-même, m'balade, m'badi manon, boumé contre nègre comme si, qui te volé l'argent Petro Caribe, parce que moi-même victime là, carrément, kafou. Mais, m'bavo traité en balade, femme qu'on est, moi, ça me devait être fait là, femme bien qu'on est, parce que m'pap de ces pétro n'importe qui. M'son est condamné ces pétro, ou on est condamné ces pétro. Ah oui, condamné ces pétro. Mais m'pap manger l'argent Petro. Ok? Et, t'as allé au café, tu j'en peux trop, oh, pas fait ça. Non, ouais, tu j'en m'as pas fait. Donc, ça veut dire que par rapport avec ça, Roland, sur la piscine. Et tu me disais, clean à terre. Oui, monsieur, à terre. Bon, moi, je vais me douper tout de suite. Pas aucune manifestation, pas aucune parole en pile, pas aucune lobeille, messe faite. C'est ce moment là. Privé là, à terre. Privé à terre, m'dou. À bobo, tout le monde. Ah. Privé à terre. Donc, ça veut dire que, pas de aucune difficulté. Cloche là, qu'on t'a joué. Dans le festival, t'as fait. C'est ce moment, t'as gagné cartel, t'as gagné, et harmonique. On qui était débarqué qui vient jouer balle là sérieux on là donc il est là on bat dans balle mais c'est on bat dans balle. OK donc c'est Petro Caribe bien sur lui tout à l'heure mais ça pour nous remarquer que c'est que dans dossier ça un gros paquet de bail qui rapport n'importe ça mon Abdoulah loupé tout OK Petro scolaire Petro quartier et Petro cocaïne Petro boss et Petro femme et femme Petro nèg Petro Petro Coco Rat. Ah. Et Petro Kit. Ah. Et Petro Gizango. Eh yo. Petro Jazz. Eh yo, connais. Et ok, Flanet Petro. Ah.
Avant qu'on ait là, son groupe WhatsApp avec. Pedro Xavier. Sénateur Kato. J'ai ouvert un débat sur groupe WhatsApp politique autrement. Et puis, on a écouté, monsieur dit, moi, que, m'bal dit ça à terre. Comme si, on m'bal dit ça à terre. Comme si, il y a des bails, m'a parlé sur groupe là. M'bakoné, non? Comme si, et les a fait mouvement. Comme si Kato voulait faire comprendre comme si mouvement pétoir et lui-même. Et pour lui. M'dit Kato, sur groupe WhatsApp là, m'dit, mais. Ah, mais. Et là, tu goûtes, mais non? Kato, fait me connaître comme si, je l'ai parlé, et comme si, et mouvement parlé. Et Pedro Kato. Et lui met mon nom dans la rue. M'dit Kato. M'dit Kato. Ou pas qu'à faire ça? M'dit mouvement ça. Nous pouvons accaparer, nous pouvons accaparer. Ah, mais. Hein? M'dit Kato, mouvement ça, nous pouvons politiciens pas accaparer. Après ça. Hein? Bon, les cagoules d'Aldi, oui. Yes. Ah non, les cagoules d'Aldi. Non, comme si les gars menacent mon douille. Attendez. Non, les cagoules d'Aldi. Parce que le groupe Gay Leon, regarde qui est qui dans le groupe ça, et qui est là-dedans qui est dans la question Petro Challenge. Ok. Ok? Donc, le groupe Gay Leon, regarde qui est qui dans le groupe ça, Gay Leon, depuis que le groupe ça a monté, on a regardé tout si Kato fait partie de l'artiste qui est dans Yon. Et regardez combien de nègres qui n'ont question Petro Challenge qui fait partie du groupe ça. Nous n'avons menacé moun comme si, sous base, sous pas même opinion avec yo, comme si, ou pas de la terre. Bon, mettons nègre défi, m'a la terre. Mouvement Petro pour m'jouer comme Petro, pour nègre vin m'en m'en, vin parler tête avec m'. Parce que Petro, mouvement Petro, c'est pas mouvement m'en grain moun nye. N'a tout n'est sous les allers. Ok? M'en clé non ça. Ok. Bon, et. Le docteur Reginald de Boulos écrit dans une lettre ouverte au président de la République, le président Jovenel Moïse. Port-au-Prince, le 8 septembre 2018. Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, président de la République, Palais National, Monsieur le Président. Depuis les violentes manifestations des 6 et 7 juillet déclenchées à la faveur de la révision à la hausse de prix du carburant, notre pays connaît une situation particulière marquée principalement par la démission du Premier ministre, le docteur Jacques-Guy Lafontaine, le retard mis dans la formation de nouveau gouvernement, la campagne réclamant la lumière sur l'utilisation des fonds de Petro-Caribé. Depuis 2008, l'État haïtien reçoit des avantages particuliers sur les commandes de carburant placées auprès du Venezuela, avantages qui lui permettent de retenir une portion importante des revenus de la revente de ses produits aux compagnies pétrolières directement et aux consommateurs indirectement. Cette portion devait servir principalement à financer les projets de développement au bénéfice du pays en général et de la population haïtienne en particulier. Dans un entretien au journal Le Nouvelliste en date du 12 juin 2013, l'ambassadeur du Venezuela en Haïti, Pedro Antonio Canino González, a indiqué qu'une partie de ces fonds ont servi à construire 50 km de route, 7600 maisons, des centrales électriques à Carrefour, au Gonaïves et au Cap-Haïtien. Parmi d'autres projets cités par l'ambassadeur figurent 23 centres de santé avec des équipements technologiques de première classe, la restauration de la ville de Jacmel et le projet de l'île à Vache. Monsieur le Président, alors que l'opinion publique en Haïti manifeste le désir d'une investigation sérieuse de l'utilisation des fonds de Petro-Caribé et que des doutes raisonnables sont émis par plusieurs secteurs sur la gestion saine de ces fonds, il est surprenant de constater que le principal bailleur de fonds, sinon le seul, claironne et sur tous les trois, que les autorités haïtiennes ont fait une bonne gestion des fonds Petro-Caribé. Ces déclarations sont surprenantes alors que le Venezuela est lui-même impliqué dans la gestion de montants prêtés par notre pays. En effet, les centrales électriques sont apparemment opérées par une société imposée au BEMPAD par PDV Caribe SA. Il est tout à fait irrégulier qu'un bailleur de fonds puisse imposer à un bénéficiaire un gestionnaire pour opérer des projets financés par les fonds offerts. En effet, le journal Le Nouvelliste rapporte que l'EDH ne gère pas les trois centrales électriques vénézuéliennes. PDV Caribe a imposé la firme ESD Engineering
and Services SRL pour faire ce travail contre 10 millions de dollars américains par an. Lorsque nous considérons les doutes qui existent sur la gestion saine et rigoureuse des fonds Pétro-Caribé et l'absence d'une certaine transparence dans l'octroi de certains contrats, il est de moins choquant de lire les déclarations de l'ambassadeur Pedro Antonio Carino González, à savoir, nous pouvons témoigner que les fonds Pétro-Caribé sont investis de façon saine en Haïti. L'ambassadeur a aussi déclaré que à l'audit de 334 projets conclus à une totale transparence, dans toutes leurs phases de développement et d'implémentation. Nos inquiétudes sur de potentielles malversations entre les intervenants vénézuéliens et haïtiens se renforcent par la déclaration de la ministre vénézuélienne des Affaires étrangères, Mme Delcy Rodriguez, qui dit voir l'impact du programme Pétro-Caribé en Haïti dans les indicateurs économiques et sociaux du pays. La population haïtienne est en droit de s'insurger contre de telles déclarations. Monsieur le Président, c'est pour continuer avec la lettre du docteur Reginald Boulos. À la lumière de toutes ces informations et considérant l'inquiétude du peuple haïtien sur les bénéfices réels du programme Pétro-Caribé, je formule le vœu que le gouvernement haïtien arrête immédiatement tout remboursement de la dette contractée dans ce cadre envers le Venezuela, remboursement qui aujourd'hui grève le budget de la République. S'il devait se révéler des interactions louches entre les différents acteurs du contrat Pétro-Caribé, elle pourrait remettre en question tout le montant de la dette que la justification de son remboursement, en attendant que toute la lumière soit faite sur l'utilisation de ces fonds et que les coupables de tout acte de corruption soient identifiés, jugés et punis dans le cadre de procès justes et équitables. La coopération internationale en matière de lutte contre la corruption peut justifier la décision d'Haïti de suspendre temporairement le remboursement de la dette. Dans l'intervalle, les fonds alloués au service de la dette externe pourraient être affectés à l'amélioration des conditions de vie des professeurs, des policiers et des professionnels de la santé. En espérant que vous accorderez la meilleure attention à cette demande, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations, Dr. Reginald Boulos, citoyen haïtien. Bon. Est-ce que nous songeons dans ça que Dr. Reginald Boulos a tiré l'attention au président de la République là dans le cadre de l'État? On a toujours répété pour nous, ça nous a dit dans l'émission Matin Débat. Nous t'ai toujours dit dans l'émission Matin Débat, la question du Pétro-Caribé, font ça, il n'y a pas seulement un rapport avec Haïtien. Lui-même dit clair parce que là il référé à un compagnon qui est ESD qui cafou que Venezuela imposé à l'état haïtien ok dans le dossier Pétro-Caribé et compagnie ça a recevoir 10 millions de dollars par an dans le dossier Pétro-Caribé. Son compagnie coréenne ça veut dire ça dit que dossier Pétro-Caribé n'est même pas connu. Allure que la preuve là, soit allure justement, qui a amené à un éclatement. Qui a amené à un changement de gouvernement, qui a amené à un chambardement. Bon, là encore. Mais madame, monsieur, dans le cadre d'un procès, pour dossier Pétro-Caribé, si procès il y en aura, nous allons prendre longtemps pour nous arriver à un procès de dossier Pétro-Caribé. Parce que plus il n'a pas répété encore. Si procès il y en aura, la question de ce Pétro-Caribé, il va prendre nous longtemps pour nous arriver à un procès. Donc, sous question Pétro-Caribé. Parce que on t'aime le dire, André, par exemple. Il y a un haïtien qui est impliqué là-dedans. Il y a un vénézuélien qui est impliqué là-dedans. Il y a un haïtien qui est impliqué dans le dossier Pétro-Caribé. Il y a un dominicain, il y a un américain qui est impliqué dans la question de ce Pétro-Caribé. De son jeté, ici, il y a une émission Matin Débat. Mais tu vas nous comme information semaine dernière. Il y a chinois, tout. Que, il y a chinois également. Parce qu'il y a compagnie. Il y a une compagnie chinoise okay, qui gagne des contrats. Très bien. Okay. Okay. Vous avez dit que les Chinois qui sont dans le dossier Pétro-Caribé et les Coréens qui sont dans le dossier Pétro-Caribé. Claire. Vous avez dit que c'est mon dossier comme dans le qui a seulement rapport avec Haïtien. Il faut que nous expliquions la population. Lundi, l'impliqué, mais ça veut dire. Il y a des contrats pour joindre dans le pays d'Haïti. Si vous passez à gérer les questions en bas table, vous avez une commission. Et comme ça, il est con pour un. Mais n'a pas les 3 milliards de dollars. Ok? C'est comme ça, il est con pour un. Il a dit, l'un dit impliqué, hein.
C'est-à-dire, nous dit impliquer directement, gain implication directe et des implications indirectes. Gros ensemble de nèg qui a dit oh, il pas impliqué, puis il va gain charge. Il va gain charge dans Petro-Caribé. Il va ministre, il va directeur général. Mais mes amis, si me dit un bagaille, il a dit c'est ça. Conseil des moun qui dit que il pas gain charge, il va ministre, il va directeur général. Il va lancer des bagailles. Il va pas impliquer directeur, il va pas impliquer dans Petro-Caribé. Non. Même le président Omina tout. Non, les présidents sont mineurs. Qui bon? Non, les présidents sont mineurs. Qui bon? Nous pas besoin de non, ouais, ça, on l'a débat. On pas le débat. Non. La petite pose à tout le monde. Puis d'où expert. Non, attendez, mon frère. Là, ouais, plutôt. Nous parlons de l'Esaïe. On va tomber là. Nous parlons de l'Esaïe. On va tomber. Nous parlons de l'Esaïe. On va tomber. Nous allons faire gros bruit sur ça parce que, écoutez, les articles sont là. Ok? Les articles sont là dans la Constitution haïtienne. Non, mais ok. La petite pose à tout le monde. C'est prêt là sous pression. Si fond moi éthanol prend précaution. Elle fait expérience par wab en raison. Bacala l'anian. Bacala canela. Bacala grenadia. Bacala grand réserve douzan. Bacala réserve d'eau spéciale non ligue 18 ans. Et bouteille, et bouteille, et toute dimension. Avancez pour yon lot Haïti, en bas Haïti jarret ak won bakara. Deden, ou kon nou bay, nte ak Digicel, mpa avec yon anko. Mano, ma si ou fe. Pour ki sa ou kite yon la? Offre spécial yon pa fin bon pou mwen même. Oh, offre pas de bon pou ou? Eh bien, ekoulye ya. Mou kounya, ma avec Digicel. Parce que kounya, offre yon se de bagay tête chargée. Yon gen spécial illimité, bagay enragé net. Ou ap jwenn apèl DigiDigi ak 8 GB internet ou fè sa ou pipito ak yon lot 8 GB internet an plis ou sevi a pati 11 nan aswe, rive 6 nan matin ou 30 jou pou 1500 goud selman. Aktive li ak aplikasyon MyDigicel la ou swa fè etoile 509 10 jodi a. Ak Digicel, se ilimite net ale! Tous les jours, de lundi au vendredi, 10h, 1h, le panel de Matin Débat informe, analyse, commente, suggère, sensibilise. Matin Débat. Les invités dénoncent, attaquent et contre-attaquent. Matin Débat, pour une nouvelle Haïti, les invités... ...sous table. Ok? Papa ben nous dit nous tout que Matin Débat, c'est pour émission de nos partis... Et dans le secteur, donc groupe, pas comme ça. Je pense que le débat qui doit être fait sous question que le président est mineur. Il faut qu'on débat fait dans ce sous question. Il faut que l'on et puis, quand on a dit matin, on a mis sur le débat. Il y a un monde qui gagne comme référence en constitution. De vous gagner, vous voyez le bon, on a sur le téléphone. Bon, qui bon dans la constitution, il clairement dit que le président est mineur. Bon, qui bon. Et m'a un défi pour jouer ça dans la Constitution. Quand la Constitution dit clairement que le président est mineur. Mandez-moi qui bob, mandez-moi côté dans la Constitution qu'elle dit ça. En tout cas, soit regardé l'article 163 de la Constitution. Il y a l'article 150 de la Constitution. Article 163 dit le Premier ministre et les ministres sont responsables solidairement des actes du président de la République qu'ils contresignent que de ceux de leur ministère. Ils sont également responsables de l'exécution des lois, chacun en ce qui le concerne. Alors c'est l'article 163. Il y a l'article également 150 de la Constitution. Quand même, dit, nous avons les constitutions avant de commencer l'émission. L'article 150 de la Constitution, il dit clairement. Le président de la République n'a d'autre pouvoir que ceux que lui attribue la Constitution. Dis-moi, président mineur, dis-moi, non. Que lui attribue la Constitution. Moi, dis-moi, Constitution dit que le président mineur. Non, nous, clairement. Et bien, l'article.
Mais Antigua est aïe. Attendez, qui ça a dit pour une chose? Mon qui bon mineur. Mais qui ça a dit pour une chose? Le président ne gère pas l'argent. Attendez, mon frère. Le président ne gère rien. Bon, qui bon dit ça? Qui bon continue de dire là? On va parler de mineurs. Article 163. Le premier ministre et les ministres sont responsables. Et fini. Son leader, attendez, écoutez, mon frère. Fini. Le premier ministre et les ministres sont responsables solidairement. OK. Tant des actes du président de la République, tant des actes du président de la République. Là, nous contresignent dans nos besoins d'interprétation juridique que de ceux de leur ministère. Ils sont non, mais nos avocats et les Kouniala. Nous, mais nos avocats, relé la Kouniala. OK. Nous besoin experts, relé la Kouniala. Pour capable de faire s'annuler interprétation. Sous question mineure, là, c'est un coup constitutionnel là, pas gagné. Ok. Sous question mineure, ok, faut qu'on débarque sur le lobby. Parce que, il va dire directement mineur, non, 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 directement mineur. On allait. Qui va dire la constitution? Qui ça? Elle on allait. On parle pas le jeune textuellement mineur, la constitution. Mais Atik Koral est là, c'est exactement ça qui fait le mineur. C'est parce que, c'est ministre et premier ministre là qui eux-mêmes a responsable des non seulement à payo mais également à président posé c'est eux-mêmes qui gagne responsabilité sous axayo c'est clair mais faut nous ça fait de lui-même un mineur directement mais non parce que c'est pas lui-même qui va répondre à akyo il va pas donner explication pour bail ou pas carrément puisque c'est ministre et premier ministre qui gagne responsabilité ça mais le président est mineur sont responsables solidairement. Sont responsables, écoutez, sont responsables solidairement. Le premier ministre et ses ministres. Attendez, le premier ministre et les ministres. Le premier ministre et les ministres. Hormis le président. Hormis le président. Pas qu'on m'y la donne. Il va qu'on n'a pas. Oui, non. Non, c'est parce que le président n'est pas dans ça. Pas qu'on m'y. Oui. Écoutez, le président n'est pas là. Le premier ministre et les ministres sont responsables solidairement. Voilà. Attendez, écoutez, tant des actes du président de la République qu'il contresigne. Que voilà. De ceux de leur ministère. Voilà. Ils sont également responsables de leur responsables de l'exécution des lois. Voilà. Chacun en ce qui le concerne. Voilà, aussi simple. Ah, chacun clair, oui. En ce qui le concerne. En ce qui le concerne. Le président de la République ne gère rien. Mais mon frère, il parle de la loi. Il parle de la loi. Il parle que des actes du président et au même de toutes ça qui est aux consignes entre eux. En tout cas, okay. Beaucoup de désir. Non, nous besoin d'interprétation juridique. Pas le seul. Constitution 1987 là, il dit pour être candidat à la présidence, il faut âgé de 35 ans. À aucun moment, au moins 35 ans, et même constitution, on dit mais qui l'âge pour gagner pour grand monde. C'est vrai, pas qu'un article dans la constitution qui dit. Quand on vient là, attends, là. Attends, moi, mais soit, mais bon, je suis fini. Qui ne regarde pas les aïeux? C'est vrai, constitution, pas dit. Ismaël, vite direct, Ismaël. Ok, monsieur, allez. Oh, l'éternel. Oui, mais pas le parler. Pour mineur. Mais même constitution, ça, ou allez un article où dit constitution, dit, président de la République là, l'irresponsable. Acte ministre a posé et ministre là. Et même constitution ça, qui pas dit président li c'est au mineur ou bien son grand monde, pas qu'on est non, dans des questions. Li dit le président de la République, pas le ratif. Non, Ismaël va caper la tête. Non, non, constitution pas dit ça. Non, non, d'après l'article nous sommes là. Look, rappelez l'article là encore. L'article là clair, il va parler de président du tout là. Faut-il donner, Valessé. Ok, mais cet article là dit. Écoutez, ok. Valessé, faut-il donner. Alors nous parlons de M. Francisco Douda, qui est intervenu. Ok. Le premier ministre et les ministres sont responsables solidairement. OK? Donc, solidairement. Oh. Oui, entre eux. Solidairement. Le premier ministre et les ministres. OK? Le premier ministre, écoutez, le premier ministre et les ministres sont responsables solidairement. Voilà. Attendez. Tant des actes du président de la République. Là, c'est eux-mêmes qui sont responsables. Qu'ils contre-signent. Même acte président, posé, c'est eux-mêmes qui sont responsables. C'est pas président, non? Que de ceux. Président, mais fait salver, c'est eux-mêmes qui sont responsables. Que de ceux de la ministère. Ils sont également responsables
de l'exécution des lois, chacun s'y le concerne. Voilà. Ça c'est le premier article. On est levé mais exact, ça, chose, non, ça, attendez, oui, ça va, bon. Non seulement il y a responsable avec le président, mais aussi bien, c'est il y a posé sur le même lieu. Pas un problème. Oui, mais il y a l'article 150 qui est clair. L'article 150 qui est clair. OK? L'article 150 lui dit, OK? L'article 150. Le président de la République n'a d'autre pouvoir que ce que lui attribue la Constitution. Fini. Voilà. Est-ce que le président qui doit dépenser? Mais pas le fait que la Constitution va prévoir le président qui doit dépenser. L'ISIL, beaucoup de l'absence de l'ISIL, c'est 40 institutions de pays. Bien, bien. Et c'est ça que fait l'ISIL, la Chambre des députés qui a fait mise en accusation au président, bien, bien. Et le Sénat de la ville avec Jean Haute pour le juste pour le président. Bien, donc, bien. Donc, on a fondé le président Minas, c'est là. Nous restons là-dedans, c'est une tradition, c'est une coutume. Comme le président va jamais dépenser, aujourd'hui, il y a. Même le président Vigny, il y a un mélange dans toute activité pays. Et il a regardé la flèche que le président de la République a fait sous Joseph Michel, sous Jerry Dadier, dans la question de la Constitution. Nous avons ancien président de la République, Joseph Michel Mareli, reproché le président de la Commission à la Constitution, Jerry Dadier, comme quoi pas d'invité. C'est tout ce qu'il a approché, qu'il a fait. Il a dit président, pas qu'à l'appeler le président Minet, alors qu'il a entrepris une bonne activité qui engage l'État. Et même constitution lui dit le président il se garant toute institution. C'est l'article c'est l'article 56. Très bien. Souvent respecter ça mais c'est calibre. Très bien. Merci Bill. Est-ce que tout ici soit bien marché mais ça calibre ou même il y a toujours retour de justice à juger ou. Merci Bill. Merci Bill. Bon, en tout cas, son débat dans la société, il faut nous faire une fois pour toutes. Il faut que nous faire une fois pour toutes. Ok? Donc, la question de président Minet ou pas, son débat est dans la société. Parce que, écoutez, il y a l'article 136. On n'a pas avancé, toujours, madame, monsieur. Il y a l'article 136, il est clair. Alors, on saute l'article 163, et puis article 150. Mais il y a l'article 136, il est clair. Le président de la République, chef de l'État, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'État. Mais mes amis, comment on fait ou responsable fonctionnement institutionnel et vous pas justiciable? Non, question que le président Minet ou pas, son débat dans la société, il faut nous faire. Non, et c'est la raison, il faut nous faire, lui. Parce que nous, si c'est pour interprétation, nous ne pouvons pas interprétation dans nos seuls angles, non? Nous ne pouvons pas prendre nos seuls angles parce que nous avons des avis contraires qui ont interprété nos seuls angles. Ok? Mais la question n'est pas que le président Minet et puis point barre, là, il va comme ça. Il va dire aucun côté dans la Constitution. Maintenant, soit interprété l'article 63, 150, 136. Donc, ça doit, mon cher Negado, ah, le président est mineur, et puis c'est fini. Non! C'est pas fini parce que il y a débat sur lui. Non, il y a débat sur lui. Dépendamment de qui j'ai, même moi, d'un fédéral. Ok? Ah oui, non, nous gars avec nos sénateurs qui libassent. Donc, sous question ça, parce que moi, c'est que son débat qui est important. Comme maintenant, débat, nous connaissons l'émission qui toujours mettait tout le débat sous table là. Donc, on regarde ensemble. Sénateur qui libassent, c'est ce qu'on va suivre l'émission matin là. Quand on cite, on en débat ça. Bien sûr, le qu'on va suivre le débat. Et Zahim, salut. Et l'autre homme est député à Toto. Et son débat qui est intéressant, moi ça m'a venu là, m'a venu compléter ça. Eh bien. Par aucun côté dans la Constitution qui était président mineur. Aucun côté. Le président, non, aucun côté. Le président n'est pas responsable devant le Parlement. Il n'est pas capable de convoquer, mais l'instance exécutive qui prend décision au nom de l'État,
c'est le président de la République là qui est engagé. La plus haute instance exécutive, c'est le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est dirigé par le président lui-même. C'est lui qui met l'ordre du jour. Eh bien. C'est lui qui prépare les résolutions. C'est lui qui envoie le budget dans le Parlement. Qui dit mais qui l'a dépassé côté l'a dépassé. Donc sous point engagement, ça y est, on a un compte pour un. Et l'article 136 de la Constitution fait du président le monde qui l'a permet institution au marché. Donc ça veut dire que si la marché a marché bien, c'est lui. Si on pas marché tout, c'est lui. C'est lui même. Donc ça veut dire que cette question de aller chercher côté propre du mineur, etc. Magasaro, toute décision qu'a prend en dans exécutif là, notamment c'est président. Yeah, on pas parler de nomination BNC, et la pôle, sans passer, etc. C'est le directeur général, c'est lui qui prend. Même en parlant, quel que soit arrêté pour nommer Mounzao, c'est lui. Yeah, ça veut dire si Mounzao nomme, il nomme dans mauvaise condition, il pas nommé conforme à la Constitution, il engage le président. Mm-hmm. Si qu'on y a, on dépasse le gouvernement. Parce que le président, c'est lui qui prépare le budget, donc ou pas qu'à fin préparer le budget pour le Parlement et puis exécution pour dire pas ce compte. Parce que toute décision pour le prendre, même dans le cadre de MPAD, résolution qui prend, ce n'est pas arrêté au point, c'est le président qui signe. Bien. Donc quelque part, il faut redéfinir la responsabilité du président de la République dans le cadre de la gestion des affaires de l'État. Bien. Oui, mais débat pour faire. Non, parce que maintenant, nous sommes là pour faire éducation. Ce qui est surtout important, c'est que c'est comme nous avons dit que nous sommes qui ont une mentalité, non? Et que tout le monde est d'accord, le président est mineur. Non, on va mettre ça dans notre tête, nous. Eh bien, parlons de pour faire travail. Parce que qu'il y a des basouli. Pourquoi ils ont voté député sénateur? Même si ils ont voté mon constitution. Il y a des basouli, mon frère. Oui, tout le monde dit, ah, le président est mineur. Non, pas vrai. Look, pas un problème. Moun qui dit le mineur, ils vont ensemble négocier. Ça ne s'arrête pas là. Pour l'avancer avec. Ça ne s'arrête pas là. Moun a dit, ah, le président est mineur. C'est qu'il y a ces moun qui ont une responsabilité. Le Parlement. Pour que vous même vous prenez décision qu'il faut. À face à débat, sa société. Notre point. Notre point, député. Député Pétionville, t'as dû venir avec. Voilà. Est-ce que j'aime ou elle venir avec Baïta? Non, mais il était clair matin pour nous faire ça. Parce que n'oubliez que, je dis, nous avons une émission par nous qui est le matin débat. Ok? Nous pas capable, comme si je dis, à parler dans le canal. Et puis tout le monde dit, depuis qu'on a parlé de le président Mineur, ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là. Ok? Donc, par aucun côté dans la Constitution, dès que nous-mêmes nous clair sur ça comme haïtien, il est écrit clairement, noir sur blanc, que le président est mineur. Ça n'existe pas dans la Constitution, ça. Maintenant, s'il faut le redéfinir, un problème, n'a pas le temps de nous redéfinir. Mais je dis à part aucun côté de la Constitution qui dit que le président est mineur. Vous pouvez interpréter l'article 160 doit jongler. Même Jean-Tour, faut d'accord, tout qu'il y a des gens qui ont interprété dans l'autre sens tout. Oui, même bien fait la valise du roi qui est 25 ans président 35 ans. Valise, vous n'avez pas à prévaler à Pladon, même si vous mourrez. À titre posthume. Oui, c'est okay? Normal. Clair. Et si David jeune, c'est très important parce qu'on a parlé avec des jeunes qui n'ont pas hier là. Dans le dossier Petro-Caribéa, si t'as un procès, ok, qui gagne avec Petro-Caribé, comme si on a un président qui est impliqué dans la question Petro-Caribéa, oui. Ok, le président, vous n'avez pas à prévaler à Pladon, même s'il mourrez, la plat à titre posthume. Et s'il y a condamné, il y a condamné la titre posthume. Claire. Ok, nous devons que nous clair sur ça matin. Ça, c'est normal. Non, ça va. Ok, nous devons nous clair sur ça matin. Ça donc, notre émission, matin débat, parce que, comme on dit nous, matin débat, donc, sont l'école liée. Nous mettons là pour nous faire éducation. Ok, pour nous capables également de faire éducation. Et non, madame, c'est un pile dans le dossier. Mais yo voulez que même après
et mandat président ou yo continue, c'est comme si président était toujours en fonction, yo pas carré. Donc la proposition que député Dierita Dieu fait a demandé que il a suggéré que président qui était président qui pas président encore l'ica passible de tribunaux de droit commun. Très bien. Il y a affaire de route au cours de justice que nèg a payé déclaré en dehors de mandat président fin épuisé. C'est pas normal parce que faut président responsable de Zakli le fin quitter pouvoir. Donc dans proposition qui fait, il est clairement mentionné pour président, monde qui était président, il est passible de tribunaux de droit commun. Radical n'importe quel tribunal qui a l'élite en délit pour poser la question soit son y poser. Le président, il est le chef de la diplomatie. Le chef réel de la diplomatie, c'est le président de la République. Toutes les grandes décisions internationales, c'est le président qui prend. Tout ça qu'a fait là, c'est président. Toute résolution qu'a voté, toute bagarre qui fait en Conseil des ministres, c'est président qui signe, c'est président qui dirige le Conseil des ministres. Comment vous ne faites pas responsable là? Bien. Bon, c'est président qui prend toute décision là. Regardez, le chef du gouvernement, ou des majorités chef gouvernement, si on pas gain caractère, si on pas c'est monde qui est assez solide, président fait n'importe qui bagaille. Donc même parce qu'il faut que après et président fin épuisé mandat li, li s'il gagne des bagailles que société a reproché, s'il gagne des bagailles des preuves tangibles sous lui, c'est pour un tribunal, il y aurait le tribunal pour lui répondre de Zakli. Mais quand il est au pouvoir, il doit passible de haute cour de justice. D'accord, merci en pile, merci en pile, merci en pile. Alors c'était maître c'était Watson Désir et on allait avec maître Dehauser. Maître Dehauser, on allait rapidement. Maître Dehauser. Allô? Oui, on allait maître Dehauser. Allô? Oui, maître Dehauser, oui, sous question mineure là, on allait. La président. Mais Koto a pas bon, communication pas bon et faut se déplacer. Faut se déplacer pour essayer de rapide. On allait rapide. OK, moi je déplacer. OK, on allait. Oui. Oui. Pour question mineure là, président, lui mineur du fait que la constitution y a pas énuméré côté pour y aurait les présidents. Ça c'est sûr. Mais lorsque par exemple on pour regarder nouvelle proposition que Dierida a fait, lui fait que président vient y a un monde qui au premier plan. Après que les films perdent le mandat, les finis le mandat, si par exemple il était agi mal, il y a qu'à aller contre les gens. Ça, c'est une proposition de l'État, Dieu. Ça, c'est une proposition. Mais dans la constitution, ça nous gagne là, président, il n'y a pas besoin de carré. On va parler de l'État. Il n'y a pas besoin de carré là, même du tout. Point. Oui, mais on va carré. Alors, où est-ce que vous avez dit? Oui. Sous la constitution que nous gagnons là, pas de qu'un juge, qu'un avocat, rien du tout qui est capable de faire par rapport à président Lelfini là. Pas rien. Fini. Ça colle. Quelqu'un soit ça qui fait là, il fait en fonction du président. Il va carrer les soulis. Mais donc, il faut qu'un avocat qui a dit quoi ce soir. Il va capable. Mais vous êtes d'accord que chaque monde capable d'interpréter l'article 62 en face au maillot? D'accord, vous. Mais légalement parlant, le président, il est mineur. Très bien. Il est mineur. Il est mineur. Mais loi d'hérita d'hier, là on peut mettre dans l'application. Il n'est pas rétroactif par rapport à monde qui déjà passé l'eau, c'est par rapport à monde qui parle de rentrer là, Koutiao. Très bien. Très bien. Bon, il n'est pas rétroactif. Très bien. Merci en pile. Merci en pile. Ok, ciao. Merci en pile. Bon, voilà. Écoutez, et, madame, monsieur, nous connaissons qu'on a continué à faire débat. Nous invitons nous continuer à faire débat. Ok, sur cette question. Question que le président est mineur, le président pas mineur. Et son question d'importance qui est dans la société. Il faut nous continuer à faire débat sur lui. Mais nous sommes d'accord tout que, je dis, il faut qu'il y ait une certaine redéfinition donc, de rôle président okay, à travers la Constitution. C'est extrêmement important. Mais nous ne pouvons pas courir du tout. Nous disons, ah, le président est mineur, il n'est pas vrai. Bon, okay, toute responsabilité dans le pays et pour pas justiciable. Oh! Article 63 est clair, oui. 150 ans clair, oui. Donc nous-mêmes, matin débat, nous mettons débat donc sous table là, et bien que nous continuons à faire débat sous lui, ben, et je pense que c'est extrêmement important. Avant nous dire que le président est mineur, et allons débat. Ok? Allons débat. La petite pause à tourner, là, nous allons regarder ce qui a passé là, dans le temps, Jean-Henri Séan, les députés et de la 50e législature, et l'équipe du président Jovenel Moïse.
Madame, monsieur, vous parti ça, pas raté dernière partie, émission Matin Débat. Tous les jours, de lundi au vendredi, 10h, 1h, le panel de Matin Débat informe, analyse, commente. Pour une nouvelle Haïti, les enjeux sont de taille. À l'intérieur d'une Audi, c'est l'odeur du cuir qui vous envahit. Au volant d'une Audi, c'est une sensation de pur bien-être à l'infini. Ou pas ta dit pas gain bruit, pas gain trou sur Audi si encore. Si ou pour qu'on roule yon Audi, ou pour qu'on jambe courir vrai machine. Autoplaza, dans son souci constant de satisfaire sa clientèle, offre une assurance de Haïti Sécurité pendant 3 ans sur tous les modèles Audi. Roulez Audi en toute sécurité. 3 années d'assurance gratuite. 3 années de garantie pour votre Audi, tout inclus avec 3 services gratuits. Audi Haïti, 2816 2834. Jambon pou mouve mouman Fèk kleve wap pou kafe Ap yo ki manje galon Kom il fò tout lè, kom il fò tout an Se pa nè pa mouman tout mouman Depi kavye 20 ans se li kaver Kom il fò tout lè tout an Se si pa nè pa mouman Nè pa mouve mouman Lise bas, fais moi arriver, m'popo kawa klai. Donc on s'en en bas ou wap mon ti bok. Quand il faut ou non, mais on wap chez mon ti fan. Après qu'il l'offre, prépap négocie. Fime bay gros problème santé. Pas 26 moun produit ça. Émission ou pral tande là, c'est une émission payée qui pas engagé Radio Éclair. Émission ou pral tande là, c'est une émission payée qui pas engagé Radio Éclair. Tous les jours, de lundi au vendredi. 10h, 1h, le panel de Matin Débat informe, analyse, commente, suggère, sensibilise. Matin Débat. Les invités dénoncent, attaquent et contre-attaquent. Matin Débat, pour une nouvelle Haïti, les enjeux sont de taille. Matin Débat, les enjeux sont de taille. Il faut que je dise que ce n'est pas de débat qui est dans le studio. Et Matin Débat, parce que vraiment, son sujet de taille. Oui. Ok, question mineure, question pas mineure. Ok, donc mais quand on dit population, hein, c'est pas question de l'âge, on parle du président mineur. Oui, pas bah, l'âge. Là, ils vont aller s'entourer. L'âge, on est l'âge. Mais il y a quelques précisions, vous me mettez. En fait, le Sénat peut s'ériger en haute cour de justice. Et les travaux de cette cour, de cette cour sont dirigés par le président du Sénat, assisté du président et du vice-président de la cour et de cassation, comme vice-président et secrétaire, respectivement, sauf si des juges de la cour de cassation ou des officiers et du ministère public près cette cour sont impliqués dans l'accusation, auquel cas le président du Sénat se fera assister de 2 sénateurs, dont l'un sera désigné par l'inculpé, et les sénateurs suivisés et non voix et délibérative. Mais il y a l'article 186 là, ok, il faut nous regarder l'ensemble. Alors, c'est l'article 186 comme tout Libanon là. Il y a l'article 186 là, et qui dit que la Chambre des députés, à la majorité des 2/3 de ses membres, prononce la mise en accusation et du président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions. Du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État pour crime de haute trahison et de malversation ou d'excès de pouvoir ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de la fonction. Des membres du Conseil électoral permanent et ceux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour faute grave commise dans l'exercice de la fonction. Elle dit que ça lit très important, article 185, également article 186. Et là, il est clair, même si que le mandat est fini. Okay? Même parce que c'est un débat qui est important et c'est un débat que nous devons faire, donc pratiquement dans la société, hein, et pour une fois, pour toutes, donc nous attendons nous sous. Mais pas oublier que dans le débat, ça tout, et nous avons des pour et des comptes. Non, c'est normal. OK. Et son débat. Son débat. Il y a monde qui fait débat. Oui. Non, il y a monde qui fait débat. Non, il y a monde qui fait débat. Et l'assemblée gagne dans on a parlé là, caoutchouc boulé devant ministère de la justice. Mm-hmm. Et ministère ta fin, hein, et t'as gagne difficulté qui problème dans zone ça. Très bien. Donc caoutchouc boulé selon certaines informations que nous arrivons pour arriver confirmer, bien entendu, l'assemblée gagne problème devant ministère de la justice. Très bien. OK. Bon.
Dossier ratification. La démission du Premier ministre Jean-Henri Séan, le Premier ministre nommé, n'est-elle pas imminente? Ou bien est-ce que une démission du notaire dernière partie émission Matin Débat, jeudi lundi 10 septembre 2018. Hein? Sous question ratification. C'est quoi la situation aujourd'hui? Madame, monsieur, dans le moment on a parlé Kounia là. Si Jean-Henri Séan allait dans la chambre députée hein, pour une séance de ratification, eh bien, il n'est pas parti. Il n'est pas passé. Parce que gagné. Il y a un ensemble de députés et qui sortit dans plusieurs blocs. Alors, c'est là la question. Députés qui l'a qui campé jodi à là. Bon côté président Jovenel Moïse, en face, Jean-Henri Séan, sous question, quelques noms de ministres qui sont dans le cabinet. Et bien, députés de la majorité seulement, non. C'est des députés qui sortit dans plusieurs blocs. Donc, en dans chambre députée. On essaie de garder sa barrière. Mais pas oublier, madame, monsieur. Matin débat, pas qu'on est. Moi-même, je ne vais pas frapper l'estomac, moi, ni Esaü César, ni bien matin à tout. Quoi que je dis, nous-mêmes, en tant que monde qui a fait émission ça, nous, bah, peut-être, nous couronne, nous méritons déjà. Parce qu'on ne peut pas passer dans le pays là, que nous te dit déjà, donc, dans l'émission Matin débat. Et voilà que je dis, hein, vendredi dernier, dans l'émission Matin débat, c'était ça, oui, que sujet sous table, que nous avons des choses pour nous développer. L'un te dit que la démission du Premier ministre nommé n'est-elle pas imminente? C'était vendredi dernier, oui, il n'est pas là de ça. Voilà que pendant le week-end, non, parole démission, il est pratiquement sous table, madame. Non, ben, répété. Ok? Eh bien, qui s'est passé? Là, je pense que. Pays n'a pas qu'à prendre ça. Pays n'a pas qu'à vivre ça. Le notaire Jean-Henri Séan. Moun sérieux que lié jodi a là. En fait, c'est comme ça pays a ouais Jean-Henri Séan. Personnalité de comme yon moun, qui intègre. Yon moun qui font politique clean. Yon moun qui verse dans une politique moderne. Il toujours présenté comme un leader moderne. Et jodi a, papa nous menti. Après la nomination de Jean-Henri Séan comme Premier ministre, tout pays a embarqué derrière Jean-Henri Séan. C'est quoi monde là qui est capable de démentir, mis à part certains détracteurs des monde qui en face Jean-Henri Séan, qui te gagne affaire avec lui dans question étude notariale lui. Et puis qui mettait dehors des bagages qui gagne pas avec Jean-Henri Séan, qui a pas la ville en bas la ville telle l'autre bon côté la gauche à droite. Ou après monde ça son équipe petit groupe lié. Mais le secteur politique, une fois que Jean-Henri Séan finit nommé comme ministre, tout secteur a débarqué derrière, campé derrière Jean-Henri Séan. Parce que, ouais, avec Jean-Henri, le pays est capable de river. Ok. Non bout, le pays est capable de prendre souffle. Même dans le secteur commercial là, les commerçants, il y a des Syriens qui l'ont campé avec Jean-Henri Séan. Il y a des Libanais qui campent avec Jean-Henri Séan. Donc la bourgeoisie campait avec Jean-Henri Séan. Donc c'est, en fait, pour l'opinion, c'est la personne idéale aujourd'hui. Donc on est dans un contexte là, communauté internationale. Pour être capable de venir pour les ministres. Et même la communauté internationale, merci beaucoup, Isaïe. Oui. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, madame, monsieur? Je te dis ça, une émission Matin Débat. Jean-Henri Séan prend un sandwich. Il y a trois morceaux. Vous connaissez le sandwich à jour? Vous connaissez? Oui, oui, déjà. Vous mangez déjà? McDonald's. Oui, sandwich 3 étages. Dans McDonald's. Oui. Oui. Jean-Henri Séan prend un sandwich 3 étages. Qui est là dans le champ de député? Qui est là dans l'équipe du président Joseph Michel Martelly? Qui est là dans l'équipe du président Jovenel Moïse? Maintenant, qui sandwich que Jean-Henri Séan prend aujourd'hui? Même pas nous mentir, madame, monsieur. Pour avoir fait ce genre d'émission, ce type d'émission dans le pays pendant presque 5 ans, il va voir si l'homme
jodi a comme premier ministre pour nos sandwich ça nos sandwich toi taille ça il pas facile pour sortir non il pas facile OK il pas facile et ben ça pour nous connaître c'est que jodi a madame monsieur il fait exactement midi 10 minutes nous sommes au lundi 10 septembre 2018 dans le moment où on a parlé là pays d'Haïti fermé pas gain gouvernement dans le moment où on a parlé là parce que automatiquement arrêté a été sorti li nommé de nouveaux ministres avec yon premier ministre nommé tout ministre qui là actuellement qui en portion yo pa gen rôle yo pa gen rien au café là pa engager l'état non rien automatiquement arrêté a été sorti les nommés de nouveaux ministres tous les ministres qui sont actuellement en poste eh bien mis à part peut-être ça que yo conduit yo et c'est là encore yo pa gen place encore dans pays et c'est là encore n'a pas retourner dans la constitution hein. Faut que nous yo redéfini OK faut que nous redéfini ça ah oui dans question constitution OK comprendre mais madame monsieur une fois que arrêté a été signé il sorti li nommé de nouveaux ministres en fait li nommé un nouveau cabinet ministériel avec un premier ministre une fois que arrêté ça sorti tout ministre qui était dans ce cabinet mais je dis là il était de quitter pas même dès qu'il doit mettre pied dans bureau je dis matin là m'a même besoin de nous pour Jacques Guilafontant comment c'est premier ministre yon pas de droit piler bureau l'état je dis yon là dedans pas de droit voir pour matin on t'a engagé l'état et là ouais par exemple Negla Kawa et Isaïe César et Jude Edouard il y a une explication pour lui Jude Edouard t'as quoi c'est de Fénam t'as qui là oh et pas Fénam va le faire congrès et puis oh 20, presque 20 millions de gouttes qui débloquent pour Baïsa oui comment est-ce qu'il y a quoi comme la sortie la folie t'a fonctionné comment non comment Ricardo Ricardo Bouna capable de débloquer pour Fénam je dis là le congrès est malvenu. Comment Rinaldo Brunet? Comment Rinaldo Brunet? T'es capable de débloquer comme j'étais pour Fénam? Non. Rinaldo Brunet n'est pas capable de débloquer comme pour Fénam, je dis, il n'est pas capable. En qui qualité pour le débloquer là? Il n'est pas capable. Donc le congrès de Fénam est malvenu dans le moment. Et là, j'ai débloqué, qui parle de débloquer? Pour qui est-ce que débloquer? Comment on l'a fait débloquer tout? Comprenez bien, madame, monsieur? Parce que depuis qu'il a été assorti, tout ministre qui l'a eu, pas même ta gagne, doit mettre dans le bureau. Parce que le nouveau gouvernement, bon le premier ministre. Ah, mais qui s'est passé là, madame, monsieur? N'a pas dit député, il faut faire très attention. Madame, monsieur, si on a un débat, nous connaissons que nous toujours prenons responsabilité dans le pays. Donc ça, n'a pas dit, la réflexion que nous avons produit. Qui s'est passé? Eh bien, avant de dire nous ce qui s'est passé, on nous retourne sur ce qui s'est passé hier soir à la président. Il y a une réunion qui commence. La gare président Jovenel Moïse. Avec plusieurs députés. Mais plus fort député, c'est député qui sorti dans le nord-est avec nous. Il y a après-midi. Il y a après-midi, commencé depuis après-midi. Un petit peu tard. Yeah. Donc c'est député nord avec nord-est qui était débarqué comme président de la République. Qu'elle fait, monsieur, comprenne. Qu'elle dit président. Vraiment, n'est pas normal. Si y a pour conduire des ministres, sans que yo même, yo va consulter parce que probablement qu'il y a un ministre par eux, t'as un mec qui reconduit. Depuis qu'un ministre qui a pour conduire le gouvernement, ça là, Aviol Florent, pas qu'à pas là-dedans. Oh. Attendez bien, madame, monsieur. Député Noyo avec député Nord-Est, yo. Qui c'est mon Aviol, mon Jovenel Moïse, plus, que l'autre député qui est dans notre groupe, l'autre côté, on prend avec un coup Wolf Papillon, qui rejoint nous, nous avons un courant arraché. L'autre bain, il dit, chaudière, maman, chaudière, à tout manger, il a retiré, il a désaffecté, il a budget, il a voué sous planification, donc c'est celle, monsieur Aviol, qui garantit, qui garantit, pour gérer. Alors, ça m'a dit là, m'a parlé selon certains observateurs. N'a mis la question ça tout à l'heure. Maintenant, depuis le débat avec le président Jovenel Moïse, je dis, monsieur, attendez, non. Et sous qui base que Aviol par là? Il dit, bon, écoutez qui ça?
Et vous quelle question dit président, si gagne un principe de reconduire des ministres, même si on va reconduire des grands ministres sur ces avions avec l'autre là. Il va même dit président, si c'est 8 ministres à reconduire, donc forcer avion Florent avec 7 lots que la reconduire. Et puis on met sur table tout on paquet dans ministre qui reconduit. Comme paquet ministre là qui décrié et que pays a par un monde ça très bien. Il a posé problème éligibilité certains ministres. Les amis, nous va réveiller non. Et ça c'est ça, ils sont connait que il était 11h10 soir minuit. L'État ouvre porte. L'État ouvre porte DGI pour député à pour ministre à venir faire papier oui. Mes amis, sont pas grave oui. Bon, c'est grave, et grave, parce que, et monsieur, vous pas voulez comprendre, je dis à la, fok, nous, aller faire déclaration de fait. C'est pas grave, oui, vous avez dit, Esaïe. C'est pas le bal. Mes amis, pour déjà, il ouvre porte à minuit, bah, des nègres, et qui est sûr, des mouns, pis font là-dedans, qui n'a faute fiscale, parce que nous donnons des gommades, nous avons touché 365 000 gouttes, il déclare 25 000 gouttes. La touché 175 000 gouttes. Non, institution l'État, et puis il déclarait l'a touché 25 000 gouttes. Gon ministre qui a touché 135 000 gouttes. Comme consultant. Ok, comme 135 000 gouttes, ouais. Qui déclarait 10 000 gouttes. Donc c'est des mots qui n'ont question, qui n'ont question faute fiscale. Arrestation doit il. Mon tableau dit ça. Mais Esaïe César, là où il y a DG il y a 11 minutes, ça qui passe. DG chargé l'argent là-dedans. Vagabondage. Est-ce que, ou quand il y a un qui débarque dans DG il y a 11 minutes, puis n'est-ce pas que c'est à aller, oui? L'autre dit déjà, il est ça. Son côté chargé l'argent, oui. L'argent. Et puis, à 11h minuit. Alors, bien racheté, il pour un cobra. Et puis, attendez, ça dépend. Allez, bonne joie. Oui, des fois. Allez, bonne joie. Allez, bonne joie. Et puis, pour Négio, à 11h minuit, il a ouvert porte DGI. Pour Négio entrer. Oui. Est-ce qu'on s'en avait dit, madame, monsieur? On t'avait dit ça? Manque d'essence. Ah ben, ou quand même, qui est intelligent, qui trouve profiter pendant la soirée, ça. Et puis, dit que on allait mettre l'argent. Mais de l'argent dehors. Et bien, il a levé toute caisse de GI à la veille, lui. C'est un grave qui passe là dans le pays. Et puis, il y a tout, c'est des nègres, je dis, avec des femmes qui décident de ne pas payer taxes. Ou du moins, qui ne pas jamais de payer taxes. Et puis, on crie le matin qu'ils voulaient payer toute taxe pendant 5 ans. Ça n'est pas normal. Maintenant, c'est là, oui, député, vous dites, président, il va comprendre ça. Et bien, c'est tout ce que ça, député, vous mettez devant le président. Et bien, on dit, président, pour garantir la stabilité. Depuis avion fleurin pendant cabinet ça là, et bon ça on va le faire. Eh ben yo même il va voter avion fleurin, il va même besoin paraître tête lui donc dans chambre député. Donc c'est Garibodo qui dans tête mouvement ça. Pas Gary seulement. Alors oui, m'dou, Garibodo. Gary son leader. Oui, c'est leader. Okay? Mais pas Gary seulement. Mais qu'est-ce qui passe madame monsieur? Président Jovenel Moïse tellement paniqué. Il relé notaire Jean-Henri Séan, premier ministre nommé. Lidji, Premier ministre Lomoye. Premier ministre répond, monsieur le président, nous l'avons dit, mais débarque, dégage, rivez la Carmen Pèlerin 5. Débarque, vive la Carmen Pèlerin 5. Parce qu'il y a urgence dans la demeure. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Matin Débat. Les gens risquent d'arriver. Ils voient tout député aussi à la Carmen président Jovenel Moïse. Ils commencent à faire. On approche, on jette le mène. On a même occupé, monsieur. Et puis, président dit Jean-Henri, regardez, non, et non, situation là, à côté que, député exposé, bon, mon problème là, qui est réel. Et je dis à moi-même, en tant que président de la République, je ne vais pas camper en face, chambre députée. C'était la parole du président de la République, président Jovenel Moïse. Stratégie. Kounia, président dit, monsieur député, exposez les faits au premier ministre. Ah. Madame, monsieur, député, comment se dit? Je commence à parler. Parler. Je dis, Jean-Yves, je même pas parfait parce que je n'ai pas que Aviol Fleur a mis pour dans le budget et que seul monde qui est capable de débloquer l'argent vu que il commence à faire déjà. Séan. Yo clair avec Jean-Yves Séan. Yo dit c'est deux cas. Ou bien avoir le fleurant, ou bien ou même l'emballement et puis ou passer comme premier ministre.
Madame, monsieur, et le notaire Jean-Henri Sien, premier ministre désigné. Il dit, président, m'a ka fin vou en cabinet. M'a en cabinet. Et m'a tout parole sa yo, tout parlant pile sa yo. Alors, Jean-Henri Sien pas dit le comme ça, non? Mais l'esprit que président va là en Jean, au moins il pas dit tout parole ça, non? Comme si, mais l'esprit que l'on Jean, pour mettre président Soumel. Mais pour information, ma banou matin, hein? Cabinet ou exotia là, cabinet ça chire 4 fois déjà. Et sous 4e, non? Depuis 3e, non? Attendez. Madame, monsieur, cabinet ou éclair. Cabinet sans éclair. Cabinet crasé 3 fois, oui, avant Yovin attendre. Il crasé 3 fois. J'en ai un bon premier papier aussi. Un deuxième papier aussi. Troisième papier, direct. Eh bien, ça qui passe, Jean Essayant dit, président, et si t'es qu'on s'en va aller, attendez bien, madame, monsieur. Je ne sais pas bien marcher, mais tout le monde, mon cher. Jean Essayant, on n'a pas les points comme ça. Jean Essayant, monsieur, nommé. Eh bien, il dit, si t'es, président, si t'es qu'on s'en va aller, et si t'es qu'on s'en va aller, si t'es qu'on s'en va aller, président, à tout député, lui-même l'a quitté ça. Jean-Yves Seyon dit président de la République avec tout député. Verbalement, il dit démissionner. Verbalement, attendez. Il va dire démissionner. Jean-Yves Seyon, notaire. C'est pour ça qu'il a démissionné. Ok. Ouais. Il dit que si t'es comme ça, bah là, pour député, bah, pression comme ça, plus capable d'imposer à Viol-Florent, lui-même, l'a démissionné. Ah. J'ai pas connu la politique, monsieur. Madame, monsieur, attendez non. J'ai pas connu le collègue Saldanté. Attendez non, madame, monsieur. Attendez non, madame, monsieur. Bah, tu nous as pas là, oui. Attendez non. Président Jovenel Moïse rit jaune. Monsieur rit. Le Jean-Henri Sien, notaire, vous m'avez nommé, déclaré devant président, avec député. Si c'est comme ça, bagaille là, et que l'obligé, marcher sous votre député pour vous capable de m'imposer, vous capable de m'imposer avec Florent, lui-même, l'a démissionné, l'a quitté ça. Il a blagué le président dans le courant. Président Jovenel Moïse, comme président n'a pas dit, monsieur, imbécile, tout quitter ça. Jovenel Moïse rit. Comme président Jovenel Moïse n'a pas dit, monsieur, imbécile, et ou clair, oui. Vous mettez tout quitter ça, oui. Président Jovenel Moïse rit, qu'on a tout député, on dit, oh, imbécile, PM, soit démissionné, on tout fait ça, qu'on y a. Les gens, ils sont, ouais, que député n'a pas bon au sérieux pour faire la démission. Il vient avec 4 démissions pour lui avoir pression. Du coup, président Jovenel Moïse n'a pas prendre pression, mais c'est passé. Jean-Yves Seyon débarqué dans la toilette, ma connaît, il y a des gars qui peuvent pas chal. Il dit non, fais pas yo. Il y a des JPPC. Il dit JPPC, la con tout moué. La con maï moué. Et puis, il y a des gars qui peuvent la con tout bon. Et tout est vrai, oui. Ouais, JPPC dit, Jean-Yves, en difficulté, panique. Scandale. Scandale démissionné. Oui. Et bien, c'est ça, oui, qui vient mettre petit haut là. C'est bémol. C'est bémol, tout là. On a débuté, ouais, c'est sérieux. Mais, papa nous m'a dit, depuis de bagay, il va y avoir le même que Jean-Henri démissionné parce que il y a gagné à Viol-Florent. Il y a besoin de comme premier ministre. Il y a besoin d'Ignatius Fleur comme premier ministre. Madame, monsieur, notez pour nous, ça m'a dit matin là. De vous d'avoir Jean-Henri Sien démissionné, c'est à Viol-Florent qui a vu le premier ministre. Donc, bataille qui est là, son bataille entre Viol-Florent, que député ouvre, et Jean-Henri Sien. Ouais, dans qui sandwich, c'est Jean-Henri Sien un peu. Eh bien, bon, ma nous vérité à qu'on y a là, pour nous connaître, parce que, on a émis ce matin débat. Notez-moi, hein, depuis que nous t'a ouais, Jean-Henri Sien tombé, jodi, s'il t'a démissionné jodi, là. Depuis que nous t'a ouais, tombé jodi, là, demain matin, c'est à Viol-Florent qui a vu le premier ministre ou bien Ignace. Mais le plus pas Ignace encore, la plus à Viol-Florent, parce que à Viol-Florent, eh bien, mettez pour Negio 300 millions de goudes. Avec 800 millions de goudes et comme fonds communaux. Mais de qui ça n'a pas parlé là? Les députés qui sont là, qui classent que son serveur Fleur Angelier, et qui mettaient sous table là, conditions pour yon voter Jean-Henri Sien, il y a parlé là de 300 millions de goudes qui viennent pour yon, plus 800 millions de goudes dans fonds communaux. Mais de ça n'a pas parlé là. Dans la question aujourd'hui, est-ce que Jean-Henri Sien va aller jusqu'au bout? Et c'est là pour nous garder, oui, madame, monsieur. Dans son intérêt. Ok?
est-ce qu'un viol fleurant a mis sous table comme lui? Est-ce qu'il est capable de Louko? Capable comment ça? Parce que bonjour José, bonjour Louko, bonjour les amis, bonjour et Pierre Ronald. Est-ce qu'il est capable? Mais c'est bataille qui gagne. Bonjour Louko. C'est un arrêté qui est entré, un arrêté. Allez mon frère. Je vais l'entrer arrêté. Techniquement, pas capable. Attendez mon frère. Où contact pas passer là? Où contact pas passer là monsieur? Au bon. Où contact pas passer là? Parce que vidéos, justement, des vidéos demandées, justement. Comme c'est Jean Rissien, comme Premier ministre qui signe arrêté, là. Ou arrêté, là. Ok? C'est Jean Rissien qui nomme les ministres. Donc, depuis le pas là. Yo, dit monsieur, arrêtez ça, retirez le bounou, mettez Jean, mettez à Joël Ferrand. Et ceci sous plusieurs bases. Et d'abord, que il est conduit des anciens ministres, à Joël Ferrand, son ancien ministre, tout, il n'y a pas de problème pour le conduire. Il parlait de questions, questions. Mais justice. Légibilité, donc, des ministres qu'il a, qui pas clair, qui n'a faute fiscale, je dis, il faut un viol là. Maintenant, ça vous regardez, je dis à madame, monsieur, est-ce que Aviol Fleurant a vu une ministre de planification dans le cabinet Jean-Henri Séan, avant la normalement? Ça que t'as fait des liens au super ministre. Ok. Est-ce que qu'on y a Jean-Henri Séan va le démissionner pour député, avec le président, c'est Aviol Fleurant qui vient pour un ministre? Mal dit une bouquille ça. Et mais sa situation, je vous dis là. Parce que député, il a gagné 300 millions de gouttes qu'il a dans le budget à vous. Et c'est Aviol qui a gagné. Plus que 800 millions de gouttes qu'il a dans le budget, c'est Aviol qui a gagné. Et pas grand bel temps, il y a élection. Et bien ça, c'est ça qui a vu là, je vous dis. Pas grand pays qui a pris là. Parce que moi, là, ça fait intérêt personnel. Et député, il a dit ça déjà dans ma tête de barri. Pas qu'aucun député qui est imbécile. Pas aucun député qui va le voter, on est pour bel garçon, et pour tilititi, et pour l'inette nanje. Et là, on s'en est pour café. Oui, et ça, mais l'aime devine avec ça. Okay. L'aime devine avec dossier GCEP, et puis groupe député qui t'a dit, il y a bail l'attitude avec, il y a blessé le son à président pour monter cabinet. Là, on te dit clairement, c'était Manigette. C'était Jouet Timon. Pas qu'aucun nègre là qui a parlé de bail nègre cadeau là. Il y a pas l'élection, donc tout nègre besoin réélu. Donc, faut la caillou. Ok, qu'on s'est une visibilité qu'on gagne. Et Aviol Fleurant garantit yon visibilité ça. Non seulement garantit yon, il mettait l'argent dans le budget pour yon et c'est seul lui-même comme ministre de planification qui a débloqué comme la pour yon. Maintenant, la question aujourd'hui, et c'est là où le débat de ce matin, à l'émission matin débat. Est-ce que une démission n'est pas maintenant une option pour Jean-Henri Séan? La seule. Parce que madame, monsieur, je suis dans la situation que nous avons là. Mais je ne vais pas nous mentir, Jean-Henri Séan, son égo pour elle, c'est mes amis, très affaibli. Et physiquement, moralement. Parce que, je veux dire que Jean-Henri Séan, pas de connaître dans qui ça t'a parlé, l'entrée là, dans le mythe de dans le équipe Matéli, dans le équipe Jovenel Moïse, dans le mythe député. Il n'y a pas de connaître, il pas de connaître dans qui ça t'a parlé, l'entrée là. Est-ce que qu'on y a Jean-Henri Séan pour aller tête baissée pour quitter que député au Menel? Pour imposer à Aviol Fleurant qu'il n'est pas d'accord un moment et puis pour le capable de venir ministre. Avi Pam Louko, c'est carrière politique li. Depuis l'entrée la donne, depuis le rete comme même qu'il y a voté, il n'a pas démissionné, carrière politique est finie. Pour qui ça? Ou t'es candidat à deux reprises à la présidence, ou t'es un programme que ou t'es fait campagne sur lui, ou t'es dit, mais ça m'a gagné, m'a vu nos free population, bon, mon mandat pour m'en nous. Mais si Kounia ou vin arrivé prend poste premier ministre ça et que ou pap ka délivré parce que ou pas le non gouvernement ou pas le gouvernement ou dirigeant gouvernement que ou pas gagne ken pouvoir sous lui ou pas gagne des ministres qui c'est super ministre qui plus premier ministre que ou même donc ou pap ka délivré ou pas passer plus mal là que Jacques Guy Lafontaine qui pas gagne rien même on pouvoir sans pouvoir comme il a été le cas avec Laurent Lamothe dans dernier moment c'est seul et parler national le temps ça exactement c'est Gary Conny ça qui fait le démissionner en tant que le premier des ministres, pas gain l'autre l'était passé négoté et adhéré parce que il pas aucun ministre il pas aucun ministre dans cabinet il était obligé de démissionner qui autorité que gagne. Donc ça le dit aucune autorité ou pas capable arrêter devant peuple là et ça avec venir avec question et carrière politique fini ou pas capable dans l'élection là pour venir demander monde voter comme président quoi non comme premier ministre ou pas remettre rien ou pas carré mettre rien parce que ou pas gagner dans monde. Et puis surtout nos cabinets avec un Aviol Fleurant qui a tout influence ça. Non. Voilà, c'est lui même qui parle premier ministre là. Ou non. Nous Aviol Fleurant justement qui très près
OK, qui proche en pile président de la République là. Et hey, je dis à madame monsieur, madame monsieur, alors monsieur proche président de la République. Oui oui. Et puis proche parlementaire et parlementaire surtout chambre des députés. Chambre des députés. Et dit que je dis à la qui s'est pas passé. Qui j'en ai comme Henri Saint premier ministre, il va capable faire vivre ça là. C'est le 4 là où j'en dis là, là c'est démission. Est-ce que la démission n'est pas une option maintenant? OK, pour une sortie honoreuse en fait. Mais tout pour le ministre Jean-Henri Saint. Oui, ça dit à me comprendre ni. Mais est-ce que pour démission premier ministre Jean-Henri Saint prend l'avantage Jovenel Moïse? Non, la mettez le petit soulier là qu'on y a. OK, madame monsieur, nous faisons une analyse pour les parties, oui. On y a un ou été sur deuxième partie. Une démission du notaire Jean-Henri Saint qui sera capable de porter comme conséquence. On va retourner après la pause. C'est ce qu'est l'air sous pression. C'est pour nous être à nos précautions. Elle fait expérience par WAB en raison. Bacara l'anien. Bacara canela. Bacara tenacia. Bacara grand réserve cousin. Bacara réserve spéciale dans l'Igue 18 ans. Et tu bouteilles, et bouteilles, et toutes dimensions. Et l'imbré. Avancez pour yon lot Haïti, en bas Haïti j'arrête à Koum Bakara. Deden, ou kon nou bay, n'te ak Digicel, m'pa avec yon anko. Mano, m'a ti ou fait. Pour qui ça ou quitte yon là? Offre spécial yon pa fin bon pour moi même. Oh oh, offre pas de bon pour ou? Eh bien, écoulier ya. Mon kounya, m'a avec Digicel. Parce que kounya, offre se de bagay tête chargée. Yon gen spécial illimité, bagay enragé net. Ou ap jwenn apèl DigiDigi ak 8 GB internet pou fè sa ou pipito ak yon lot 8 GB internet an plis pou sevi a pati 11 nan aswe, rive 6 nan matin pou 30 jou pou 1500 goud selman. Aktive li ak aplikasyon MyDigicel la, ou swa fè étoile 509 10 jodi a. Ak Digicel, se ilimite net ale! Émission ou pral tande là, c'est une émission payée qui pas engagé Radio Éclair. Émission ou pral tande là, c'est une émission payée qui pas engagé Radio Éclair. Tous les jours, de lundi au vendredi, 10h, 1h, le panel de Matin Débat informe, analyse, commente, suggère, sensibilise. Matin Débat. Les invités dénoncent, attaquent et contre-attaquent. Matin Débat. Pour une nouvelle Haïti, les enjeux sont de taille. Matin Débat, les enjeux sont de taille. Pas oublier ici, hein, c'est émission pays. Hein. Et débat que nous mettons sous table, qu'on est que nous allons continuer avec lui. Donc, la Kainou et dans mes temps base, avec des amis, bah, on ne va pas oublier. L'on fait débat et fort très tolérant. Donc, il faut respecter de que opinion l'autre monde qui a voilà. Ok, le monde qui a fait débat là, donc, bah, besoin aller ni couteau ni manchette. Donc, on nous analyse cette fête. Ok, une démission du notaire Jean-Henri Saint, premier ministre nommé, n'est-elle pas une option aujourd'hui pour l'équipe de Saint? Madame, monsieur, on allait rapidement et sous question ça. Si notaire Jean-Henri Saint, face à cette situation, l'aller dans le Parlement, d'y passer au niveau du Sénat, ou du moins, d'y pas passer dans le Sénat et puis pas passer dans la Chambre des députés, ou du moins, debout d'avoir que député ont persisté dans la démarche. Ils ont imposé à Viol Fleurant. Pour m'aller au tout. Attendez. Pour m'aller au tout. Oui, t'as parlé de grenade. Bon, fini. Ça qui arrive sur eux là-bas. Ah, j'ai et tant que. Ok. Bah, tant ok. C'est bon. Attendez. Attendez bien, madame, monsieur. Extrêmement important ce matin là.
Depuis Jean-Henri c'est un passé dans le Sénat. Et que depuis tout a toujours été dans des marchés, il a persisté pour une question de la violence. Attendez. Jean-Henri Séan a pestalé tête avec le président Jovenel Moïse comme premier ministre. On attendait que le député prenne main. Comment ça? Attendez, bizarre, me dit non. C'est l'information bas au matin. Depuis ouais, Jean-Henri Séan t'a passé dans le Sénat. Une fois que le film passé, tout de suite le film passé, c'est pas lui-même. En attendant que le député fait sa affaire. Ouais, je crois. Yo. Mais qui ça qui arrive tout? Ça qui arrive, c'est que si vous avez Jean-Henri Séan pas passé, que ce soit dans le Sénat, que ce soit dans le député, eh bien, Jovenel Moïse est maître en école comme président de la République. Parce que Jean-Henri Séan, pour le capable de sauver Paul, parle d'obligation pour le capable de faire Jovenel Moïse. Claire. Vous bon, bien, oui. Claire, oui. Et je dis, si Jean-Henri Séan voulait gâter ce jouet-là, il est capable. La bonne démission de demain matin. Oui. Ouais. Laisse à président. Laisse à président. Petit soulier 13 ans. Non. Il va mettre deux pieds non seul green. Talon qui quitte normal. Talon qui quitte. Normal. Talon qui quitte. Pour être I. Il va comme ça, Sophia. Pour être I. Madame, monsieur. Okay. Madame, monsieur. C'est ça va nous dire le matin débat. Est-ce qu'on démissionne de Jean-Henri Séan? En fait, une démission du notaire Jean-Henri Séan comme premier ministre. Je dis à l'élection option sous table là. Parce que si Jean-Henri Séan voulait gâter, je vais te la cougne, depuis voulait gâter, manger, la banque démissionner. Et depuis Jean-Henri Séan démissionner, baba Jovenel. Et on par contre, qui qualité secteur, qui a poussé monsieur tout, qui t'a commencé? Qui t'a commencé? Mon cher, depuis je vais être là-bas pour vous, démissionner. Depuis Jean-Henri Séan, démissionner là, c'est pété. Et opinion, la opinion abouelle très bien. Normalement. Opinion après Jean-Henri Séan très bien. Il va faire un discours pour dire que mes amis ne peuvent pas ici. Voilà. Et pas de démissionner comme ça, non? On discours là. Voilà. On discours. M'baille pour m'de bien, m'de envie servir pays. M'de vle servir pays. Et voilà. Mais ça, on côté président pour s'aim. On l'autre côté député pour s'aim. M'en retire quoi? M'en sorti belle. Et puis là, il y a politique pour l'avenir. Problème. Il y a politique pour l'avenir. Et puis, 2021, sortant de là. Ligue politique pour la vie, madame, monsieur. Ok? Mais, si Jean-Henri Séan a persisté, malgré l'humiliation là pour là, parce que, écoutez, il a été humilié. Parce que, écoutez. Non, l'autre jour, on barre comme ça, et puis il passe au dérisoire. Le président n'est pas d'accord avec Jean-Henri Séan. Jovenel Moïse va en faire Jean-Henri Séan même. Bah d'accord. Ah, bah, fais ça. Oh, le bah, avancez, ma maman, c'est sous. Non, ouais, allez, toi, ah, bah, c'est sous, mais attendez. Mais c'est sous, Esaïe, est-ce que t'es content? Est-ce que t'es temps des discours président? Attendez, est-ce que t'es temps des discours président? Elle t'a présenté Jacques Guy Lafontaine. Présenté officiellement dans le palais national. Mais t'as argument sous ta main. Voilà, l'idée dit clairement dans le discours, mais son bras le fait, l'offre premier ministre, l'elle t'a présenté les gens au lycée, on s'en le dit, si vous passez normalement, ça veut dire, que, Demelegatou pour contou. Donc, président a joué en faveur. Jacques Lafontaine. Il pas joué en faveur, monsieur. Non. Voilà. Nous, madame, l'école, ça l'a pratiqué déjà. Jovenel Moïse, non seulement, Jovenel Moïse a peur de Jean Rissé. Il y a une peur bleue de l'équipe de Jovenel Moïse. Face à l'équipe de Jean-Henri Séan. Ok. Pas oublier, madame, monsieur, nous, ouais, Jean-Henri Séan, mais pas qu'on dit ce qu'à côté, non? Il y a un gros mafia à côté de Jean-Henri Séan. Il y a un grand bagage. Il m'a adoré politiquement. Regardez, chef. Donc, les Jean-Henri Séan, t'as fait politique, Jovenel Moïse, t'es dans l'agriculture, ça dit. Ancien ministre, là. Quel est le gars qui c'est de gros politiciens madré? Ouais. Et, capitaine pouvoir, ça a pu montrer qui est sauvé dans le pays, là. Jovenel Moïse, père Jean-Henri Séan, qu'on rate, qu'on chatte. Et premier ministre présidentiel. Ouais. Mon petit cale pied chapé. Gardez le cas côté. Premier ministre président. Gardez mon frère. Et pas oublier, le côté dit lui. Récupérer. Notre question, récupérer le pouvoir. Ça veut dire oui. Moun moué met là. Et le cas président demain. Et le cas président demain. Jovenel Moïse, père Jean-Henri Séan, qu'on chatte. Et Jean-Henri Séan aujourd'hui là, comme n'est-ce dans le pays là, qui ont certaine intégrité. Ouais, monsieur Papin, rien non. Mais si je. Henri Séan, t'as démissionné qu'on y a là comme premier ministre, Jovenel Moïse dans le show. Non mais, madame, monsieur, ça bon gobe tout, monsieur. C'est que ce cohabitation, oui, là. Ouais, qui pas facile. Yeah. Et si vous t'as joué Jean-Henri Séan qui démissionne là, je dis, on t'a pas passé. Jovenel Moïse, pas beaucoup que choix que prend un nègre dans l'opposition, oui. Parce que, à quelque soit, moun gueule vini, hein,
sous discours que j'ai réussi à faire à tout, la chaud comme un homme. Vous bien, madame, monsieur. Nous disons que, ouais, matin débat, nous prenons t-shirts, bas, nous, n'a pas gardé, n'a pas analysé. Si moun parle dans gendarme. Si moun parle dans gendarme. Clair. Ok? Donc, c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a fait débat. Watson, qu'on n'a pas sorti, ou pas sorti matin, ou obligé d'attendre matin débat. Watson 2022. Oh, faut point là. Et, ça s'est passé là, Louko Désir. Parce que si, au cas où Jean-Henri Seyen t'a allé devant le Sénat et t'a ballon vote de non-confiance, c'est le gouvernement qui est en place, le gouvernement démissionnaire qui peut arrêter toujours en place oui, jusqu'à l'installation d'un nouveau gouvernement. Oui, mais là, Watson, nous avons une illégalité dans les rues, là, mon frère. Parce que, non, mais c'est ça qui a fait là. Bon, mon nouveau a arrêté, qui nomme un nouveau cabinet. Non, bien arrêter, ça peut résoudre. Non, mais non, l'illogique, puisque Jean-Henri Seyen, pour qu'on officiellement Premier ministre, puisque le faut qu'on ratifie, Jean-Henri Seyen désigné, Jean-Henri Seyen nommé, Jean-Henri Seyen présenté à la nation, mais Jean-Henri Seyen n'est pas encore ratifié par l'une des deux groupes du Parlement. Le président Martelly, il était fait un caplume. Ok? Non, non, la Martelly quitte, attendez, Laurent Martelly quitte le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il nomme un ministre qui c'est Florence. Florence Duval. Oui, oui. Ah, c'est Aïe. Ah, oui, c'est Aïe. Ok. Après ça, c'est Evans-Paul. Après ça, c'est Evans-Paul. Evans-Paul. Est-ce qu'on, tout à l'heure, bon bagage, vous avez dit tout à l'heure, là, qui est extrêmement important, et faut que nous comprenions bien, est-ce que le président Jovenel voulait Jean-Henri Seyen en vrai? Ah, ouais. Parce que c'est ça pour nous comprendre. Quand le président lui voulait Premier ministre, il mettait toute poêle dans la balance pour faire passer. Il a fait toute négociation possible, pas de compromission, non, toute compromission possible pour le faire Premier ministre passer. Parce que voulait. Mais gardez pour ce qui a passé là, le président Jovenel Moïse, il est toujours amoureux de son Premier ministre démissionnaire. Ah oui. Ça veut dire qu'il n'est pas à séparer de Jacques Guy Lafontaine. Donc, d'où la nécessité pour lui-même, pour lui camper, Jean camper, pour parlementaire camper, Jean camper, mais parlementaire pas intelligent. Ni exécutif là, ni législatif là, y'a pas intelligent, parce que y'a pas jamais épargné de cyclone ça. Un cyclone que Mrele qui est le cyclone, de Blosaï, deux, catégorie 2 à. Catégorie 1 a passé, 6-7, nous voyons qui ça baille. Et c'est ça qui baille la démission du gouvernement de Jacques Guy Lafontaine. Catégorie 2 a, qu'on est assez là où il y a encore président avec tout le Parlement pour exiger qu'il pouvait réponse là. Parce que si Jean-Henri Seyen démissionnait, c'est pour Jovenel Moïse, il n'est pas bon, c'est pour le Parlement, mais, pas bon. Mais que nous dit matin là, ok, merci beaucoup. Parce que Jean-Henri Seyen a sorti belle s'il fait un bel discours pour l'expliquer, Jean situation rien que n'est-ce qu'il est coincé. Il est obligé de démissionner. Il est obligé de démissionner. Quand il y a la peuple lui-même, pour aller prendre décision, parle. Parce que c'est le peuple qui te met parlementaire, c'est le peuple qui te met président. Donc, à la population haïtienne de décider. Merci. Merci, Bill. En tout cas, c'est d'accord avec son désir. Il y a l'article 165 qui se lit comme ça. Désormais. En cas de démission du Premier ministre, le gouvernement reste en place pour expédier les affaires courantes jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Mais ça qui est important, on a la donne. En cas d'incapacité permanente, dûment constatée du Premier ministre, ou de son retrait du poste pour raison personnelle, le président choisit un Premier ministre intérimaire parmi les membres du cabinet ministériel en attendant la formation d'un nouveau gouvernement dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Que Michel Martelly était fait. Que le président, là, c'est l'article 165, madame, monsieur, de la Constitution amendée. Et faut nous rappeler, pendant ce lisa là, on rappelait Jacques Guy Lafontaine démissionné depuis 14 juillet. Ah ben voilà. Je dis à combien? Ok, je dis à pratiquement donc 10 septembre. 10 septembre. Ok, une fois que le cabinet ça, il sortit sur moniteur, qui confirme que y a l'autre cabinet, ok, je dis à pas aucun ministre qui était dans ce gouvernement qui t'a donné mettre pieds dans le bureau. Voir vous d'ailleurs où Jacques Guy Lafontaine qui arrive dans la voilà, parce que flou, le Parlement pas résout le problème non. Ok, nous ne sommes pas responsables. Mais attendez, Esaïe, ouais, question à viol flagrant, il n'est pas qu'à tourner là, non? Pas qu'un dit ça. Attendez, parce que go arrêter qui guette sorti. Toi arrêter qui rentre, on l'a arrêté. Eh ben voilà. Alors, voilà. On va ouvrir une jeune mère là. Ça fait nous dit matin, écoutez, qu'est-ce que de bail pour nous suivre comme auditeur?
OK? Nous avons une information qui est passée hier, ça qui est passé hier à la président. OK? Eh bien, nous avons des Napton. Comme il y a des députés là qui voulaient quand même à tout prix à Viol Fleurant pour en faire l'argent. Est-ce que qu'on y a pas arrêté? Qui va sortir? Il va pas pour peuple la capri là. Non, va pays. Donc il doit il nécessité des charges, un certificat de décharge depuis à vinn avec. C'est ça lié. Mais donc on veut arrêter à ou songe n'a parlé de ça? Oui. On veut arrêter qui nommé premier ministre Jean Rousseau avec cabinet ministériel. Alors cabinet arrêter qui vinn avec cabinet ministériel là. On veut il pas besoin de charges. Mais une fois qu'il sorti là, il besoin de charges. Il n'y a pas qu'à tourner avec parce que le cabinet qui rentre, il n'y a pas de mise encore. Mais pas seulement, non? Non, tout le monde qui était dans l'ancien gouvernement et Jacques Guy Lafontaine. On s'est bien déchargé. Depuis où est-ce cabinet a été sorti, il y a besoin de charges. Depuis, si il y a été à votre sorti, il y a été reconduire parce que c'est démissionnaire, il y a été reconduit. Mais une fois que il y a été gagné, et cabinet qui sorti, qu'on arrêté présidentiel qui sorti, qui nommé ensemble de l'autre ministre, et bien, moun sa yo, yo pas ministre encore. Donc, si yo, doit faire partie de nouveau gouvernement, faut que vous venez un certificat de décharge. Nous avons deux bails à vous là, madame, monsieur. Nous avons deux bails, nous avons trois bails à vous faire. Est-ce que, à Viol Fleurant, pour faire partie de nouveau cabinet, ça, alors, question de décharge là, après, ok? Sous pression député, nous connaissons, hier soir, nous apprenons nous acte passé hier soir, la président. En garde pour nous, est-ce que, député ou pas gagné de cause sous Jean-Henri Seyon. Parce que hier soir, les Jean-Henri Seyon débarquaient avec le président. Député annonce ça avec le président de la République. Il dit, ah, si c'est pas comme ça, il va me démissionner. Mais c'est ça le dit. Il dit, ah, si c'est comme ça, il va me démissionner. C'est comme ça, il va me démissionner. Et puis le président Jovenel rit. C'est comme si le président Bagadji. Impression. Mais pas oublier, pas oublier. L'autre dit ça au président. Jovenel Moïse aujourd'hui. L'on dit ça devant le président, Kimbil, même si c'est une blague, Kimbil. Et contexte, non, pas qu'à faire, il n'y a pas qu'à blague. On a président venu, qu'on n'a pas qu'à prendre pression. On n'a pas qu'à agir sous pression. Et faut gérer la rue. Faut gérer la rue, président. On peut trop qu'à priver là. Mais je dis, Jean-Henri Seyon, actuellement, Jean-Henri Seyon, pratiquement, madame, monsieur, il est en position de force, actuellement. Oui. Ok? Maintenant, en position de force, que l'il y a, c'est s'il comprend ça. C'est l'IC pour gérer. Servi avec. Donc, regardez pour nous si Avel Fleurant après été dans le cabinet et que Jean-Henri n'a pas l'accepté, malgré que le bagon grand ministre dans le cabinet, il vient pour un ministre, mais pas oublier tout, nous t'a dit dans l'émission matin débat. Au cabinet et tout avenir politique, nous t'a dit dans l'émission matin débat, tout avenir politique, président Jovenel Moïse, avenir mandat là dépend de qui cabinet que l'a mette sous pied là. Ah, clair. Cabinet ça, Mbaba nous menti. Il y a des pressions qui gagnent pour y conduire, pour reconduire un premier ministre, un ministre qui est Avel Fleurant. Déjà encore pile par en pile dans le pays, parce que y a 6 ministres qui ont déjà reconduit. Ça dit que le cabinet qui l'a, il ne fait que l'autorité qui l'a, pas prend aucune leçon de ce qui est passé dans le pays, 6, 7 et 8 juillet 2018. Est-ce que vous avez un agent réussi à l'embarquer dans le bateau ça? Parce que nous avons dit dans le matin débat, le cabinet ça qui monte là, avec le ministre qui reconduit, les mêmes causes vont quand même produire les mêmes effets. En moins de 6 mois, nous voilà cette passion dans le pays. Réplique la cabine. Il n'a pas même 36 mois. Même. Réplique la cabine. Est-ce que qu'on y a Jean-Henri Seyon pour le démissionner? Mais moi, dis-nous tout que, sous ta raison, Jean-Henri Seyon démissionné, n'est qu'à venir pour un ministre, il y a deux qui l'a déjà suivi ça. Avec Fleurant, qui a venu pour un ministre. Et puis, ensemble avec Ignace Fleur. Ouais, deux informations, ça y est. Maquillé, au petit côté, en bosse au charbon, dans le miracle, à nous. Et puis, on aurait tant de bonheur. Il n'y a pas plus probable. Ok? Non, Avel Fleurant, pire. Alors, il y a qu'à vler. Ça passe dans à moins que les gens décident de chirer la constitution, mettez-le dans le papier. Tenez, mon frère. Fin, fait le net. Fait le publiquement, déchirer, chirer, le vol, jeter. Avel Fleurant, pire. Watch-moi là. Oui? Si vous avez Avel Fleurant, vine paraître dans le cabinet ça, avec un Henri Seyon, qui est premier ministre, et que Henri Seyon a passé, Avel Fleurant, son super chef, lui. Elle est premier ministre là. Qui je sais réussir à faire passer l'ordre à ministre qui, bon. Qui autorité le balgué là sur le ministère de planification? Et leur secret ministre, c'est ça? Ministre de planification. On va écouter le ministre de planification. Vous voyez, tous mes premiers ministres, la mort, ministre, à la fois premier ministre et ministre de planification, ou t'es Belle Rive, t'es premier ministre et à la fois ministre de planification, c'est parce que son poste son poste stratégique lié, oui. Son poste clé lié, oui. Et pas n'importe quel monde, non? Ok. Ou Kabaili. Jusqu'à présent, on en a parlé là. Jean-Henri Seyon, il a pile force. Il est en position de force actuellement. Le président a gagné pour le jouer. Le président a gagné pour le jouer bien.
ni parlement pour que pays a pas éclaté. Parce que ça qui passé hier, la caille président, c'est un gros bagaille, c'est pas n'importe qui bagaille, et je voulais dire là, il doit tirer le son de ça qui passé. Et fuite ça qui gagne, qui est-ce qui baille? T'as écouté dit à l'heure, les gars, ils peuvent Charles, pour mettre tout dehors, pour bailler problème, bailler ça, bailler gousin, toutes les réseaux sociaux qui sont enflammés, ouais. Et maintenant, nous levons, quand tu as boulé de tous côtés, Jean-Henri Séan, sous la valasse. Faut ne pas oublier ça. Les positions de poste. Ok? Ouais. Faut ne pas oublier ça. Je dis, si Jean-Henri Séan voulait gâter ce vote-là, c'est en équipe démissionnaire après-midi. Je vais te gâter. En tout cas, je vais te gâter. Ok? Donc, son dossier, n'a pas suivi, madame, monsieur, donc, dans l'émission Matin Débat, donc, sous Radio Éclair. Et je pense que nous notons, ça nous dit matin, on suit pour nous. Ok? Oubliez ce soir ici, après mes côtés qui parlent de l'affaire de démission, c'est ici, dans le Matin Débat. Ouais. Mes côtés qui te parlent de démission de Jean-Henri Séan, c'est ici, dans l'émission Matin Débat. Et tout que ratification Jean-Henri Séan, c'est pas pour aujourd'hui. Ça, nous te dis ça. C'est pas pour aujourd'hui. Et quand l'autre bagarre, on te dit oui, le pays a les sous mode auto et pilotage automatique. Oui, jusqu'à présent, c'est ça la tête là, parce que un premier ministre n'a pas démissionné depuis 14 juillet. Jeudi, à combien août? Pour pas qu'il y ait un gouvernement qui est en place, dans qui pays va jouer ça? Pilotage automatique. Hein, même alors, le 9 septembre, voilà. Dans qui pays va jouer ça? Parfois, deux aïes. Et les gens ici, les gens ici, hier soir, ils disent, bon, tenez, non, si je ne suis pas clair, je vais démissionner. Et puis, lui, tout est content. Il dit, et puis, Martel Faux 18, il parlait de cyclone. C'est moi-même comme chef de gouvernement, cyclone n'a pas toute disposition. Je viens de Moïse, oui. Où est-ce que, où est-ce que tu as gueule fleurant tout? Oui, avec chaud, servir la République. Oui, avec le besoin, avec le tweet et tout. Le besoin est servi pour servir la République. Li pa vle servir un élément de blocage, li pourrait vous servir. Qui bon? Allez, avec Florent, le premier ministre, c'est ça le besoin dans le moment. Bah, rien. Pourquoi on est carré politique? Attendez, mon frère, avec Florent, le premier ministre lui-même. Avec Jean-Hissé qui a parlé là, je me dis, ah, ça c'est reste. De tout le cap de la mitan de bidez pour la viol vingouye ministre. Comme Matin Débat n'a toujours là, c'est que n'a continué de faire débat, donc nous même n'a pas continué de faire débat là quand même. Mais dossier ça, dossier ratification, sont dossiers qui sont très complexes. Ok? Nous pourquoi sortir là-dedans? Nous pourquoi sortir là-dedans? En tout cas. Esaïe, comme on va le soir de l'émission. Loézy Vilnes, qui a adresse 20 Delma 75. Loézy Vilnes, moun qui connaît Loézy Vilnes, dit le passé pour un carte électorale li ak tout on licence li permis de conduire li nan radio télé éclair Loézy Vilnes li gen la dan li et yon carte de crédit Sogeizi ak tout yon carte Unibank donc la passe nan radio la vini réclamer eh bien et permis de conduire avec carte identification nationale li comment le Loézy Vilnes OK li gen carte Sogeizi on carte Unibank. So, c'est monsieur Loézy Vilnes, moun ki konnen la fè passé dans radio télé éclair. OK, n'a pas recevoir deux invités matin et bonjour et monsieur et ça qu'on va passer dans l'émission Matin Débat je dire. Ça qu'on fait passer dans l'émission Matin Débat matin, moi salue monsieur Louko, moi salue monsieur Isaïe, moi salue monsieur Pierre Matin. Ça qu'on fait passer dans micro à matin, c'est parce que moi gon grain vote dehors. Monsieur Louko. On gagne vote. On gagne vote, on gagne d'ailleurs, on te vote Gary Bodo, c'est lui même qui te bat le mégaphone ça. OK. Qu'on y a là tout le monde. Mégaphone a marché ? Il veut marcher. Tout le monde. Fais le marché moi, fais le marché moi. Il va y avoir pile. Non, il va marcher. Tout le monde dans le téléphone bagajonni. Bagajonni. On te rencontre avec lui dans Soje Bank et Carrefour Aéroport. Bah longtemps. Oui, dans un moment campagne lui. Bah longtemps. Oui. Qu'on y a là même, lui paraît, lui dit sécurité, mieux voter, me dit oui moi m'a vote citoyen même pas de connon. Qu'on y a là me dit simplement celle que ne va pas faire pour moi, va bon mon mégaphone pour mener campagne pour. Et puis il vient bon mégaphone non vraiment, il vient bon 300 goud, m'acheter pile mettre là-dedans. Après ça, il y a un paquet de photos. Moi, je dis un pilule, il faut pas la demander. Mm-hmm. Il y a un paquet de photos. Après ça, marché fait livraison photo. Moi, je baille photo. Les mêmes baille photo, je dis, ah, je vais voter américain. Non, je dis, non, c'est pas américain, ils sont haïtiens. Gary Bodo, oui. Oui. Il est bon pour américain. Il y a un pour américain. Il y a même côté, après ça, tout le monde les lit dans le téléphone. Bon, ça fait pas passer matin là. Ça fait passer matin là, je passe pour le temps de voir moi. Ok. Mon compte téléphonie, c'est 44 11 11 11. Oh. Plus encore, moi j'ai un autre problème encore, monsieur Louko. Moi j'ai une compagnie PSS, moi j'ai un travail.
Avant hier on a prêté mon petit cob, 40 000 gouttes, mais bon, on a bon moins pour PSS, si moi pour me prendre 40 000 gouttes là. Okay. PSS pas blessé bien bon. Hein. Il pas blessé bien. Au lieu que si bien ni, il prêté mon cob là. Il prêté mon cob là, mais il voulait pour le prendre sous moi chaque mois. Il gagne temps pour un mois d'août là, sous moi, après ça, samedi après nous sous poste, il était monté dans base. Entraînement dans base, les mouvements ont fait mettre uniforme et puis mettre lettre révocation à bon moi. Ou t'as pris dans le PSS? Oui, dans le PSS. Pourquoi ça arrive là? Je ne sais pas ça. Seulement, je suppose que je suis monté dans la base et puis les mouvements ont dit mettre les uniformes. Je laisse peut-être comme là pour être. Oh, non, on a allé. Oui, peut-être comme là. Est-ce que vous avez payé ou non? Ça me semble ça, c'est du cap et au cap et. Mais c'est comme moi, je prends sur chaque oui, c'est sous comme ça. Je comprends. Je vais au calé. Je vais au calé. C'est mon ancien sécurité, même travaille dans plusieurs compagnies déjà. Vous comprenez? Ah ben soit pas des matins là. Ah ben ça va pas. Nous évoquons qu'un badjan. Nous y évoquons que moi. Kounya là même y voulait pour me signer, me dit non, beaucoup cassé, il faut que c'est une affaire sociale pour mal bail badjan. Oui oui oui. Vous comprenez? Y a dit me consent oui. Si me pas bail badjan, y a qu'on caille moi, y a qu'on côté moi était, y a mené la police, il a arrêté. On dit c'est ça, c'est Charles n'a bon moi. Ouais. Vous comprenez que les badjans là même moi Kounya là rapidement donc avocat Monsieur Loco pour bon moi avocat pour aider me plaider. Combien de temps gagne là? Me gagne 22 ans en compagnie. Il va toutes les prestations salaires. Y a bon moi 3000 gouttes. Je quitte le nom de la base là. Oui. Okay. Oui. Je quitte le nom de la base. Tu ne vas pas prendre? Je ne d'accord. Oui. Eh bien, sauf les là, tu as besoin d'avocat. Je besoin d'avocat. Mais je choisis André Michel pour faire appel pour moi. André Michel, s'il vous plaît. Dit, parce que moi, je suis la valasse. Oui, André Michel. On la valasse rouge, moi. André Michel, rouge. Rouge. Oui, dis-moi. Ah, ok, charge avocat, monsieur. Charge avocat. Charge avocat. Avocat. Bon, ça, la valasse à demi-tour dehors, il a donné. Il a voulu la valasse à l'évocat, non? Non. Hein, puis la valasse. Ça dit ça, Michel Pé Aristide, il fait la valasse. Il fait Aristide. Oui, Kenison. Kenison, oui. Oui, il fait Aristide. Le père Sassou. Oui. Oh, me dit ça tout, me dit. Vous dites ça dans figure. Oui, me dit ça dans figure. Comment monsieur me dit son Kenison, Philippe Kenison. Philippe Kenison. Oui. Le père Sassou. Non, père Sassou. C'est Pé Aristide Couchat. C'est Pé Aristide Couchat. Couchat. Oui. Oh, Pé Aristide Couchat. Et moi son gros la valasse. Son gros la valasse. Oui, la valasse depuis 91. J'ai revu votre la valasse. Oui. Depuis 90. C'est... Et pour raison, ça me choisit. Bonne déclaration, frère Matéa, là. Oui. Bonne déclaration. Oui. Oui. Vous dites Philippe Kenison, père Aristide Couchat. Il père Aristide Couchat. depuis, on m'a donné un petit salaire minimum. Depuis, c'est la valasse qui est sous pouvoir, le coup, il dit. Il dit, oui. Mais Kounia là, depuis au moment de là, il n'a pas baillé parce que je venais le monde parler. Oui, Aristide, faut tourner. Vous comprenez? Aristide, tourner. Moi, pour Aristide, de tourner Kounia là. Faut tourner. Oui. Très bien. Oui. Mon cher Benson Bill et Kébel là, ok? Ah, ben, là, voilà, c'est pas bon. Avocat, mon cher. Là, voilà, c'est pas bon, avocat, oui. Ok? Et non, il dit, il m'a dit, il faut aller au téléphone là. Ok, bon, un pour mégaphone dans son frère. Mégaphone, non, bon, c'est au café, appel à l'aide. Est-ce qu'on peut mettre Gary Bodol, mais non? Bon, si l'attendait là, il est comme ça l'affaire. Vite, Bafel. Oui. Non, mais où? Mais mégaphone, on prêche l'évangile avec chaque matin. Ah, mais le bon pour vous, monsieur. Dis bon pour moi. Yeah. Même beaucoup de nous sirètes. Non, vous voyez, nous pour souhaiter, non? Ok. Non, bon. On a nos bagages. Eh bien, Kébela, nous comptons pas la voix, ok? Oui. Kébela, ok? Donc, comment il est? C'est Fran Kadevis. C'est Fran Kadevis. Oui. On quitte le téléphone quand même? Oui, ma quitte. Si vous avez un avocat qui t'a aimé, qui t'a aimé, les moins. Moi, je suis content. On allez. C'est Fran qui a mis le téléphone. On allez. Mais c'est regardez pour la nouvelle. Où tu es, Philippe Kanis, on va ici coucher. Oui, ici coucher. Coucher. Une belle émission. Maintenant, on go. Belle bagaille. Qui est le téléphone de ce Fran? Téléphone, moi, est 38. 38. 35. 35 42 35 Kébela, oui. Stéphane, ok? Oui. Kébela. En tout cas, téléphone Stéphane, c'est 38 35 42 35. Avocat, l'avalation, relais l'avalation, et pareil, nous, libérez ma coupe, ok? Ok? Arrêtez, téléphone qu'elle a sonné, ah! Vous n'avez pas la sonne perdue! Ah, la sonne perdue, oui, cher! La valasse a perdu! Et ça me connaît! La valasse a perdu bataille! C'est 35, alors attention, 38, 35, 42, 35. Donc nous-mêmes, nous sommes la valasse, nous sommes panneau et je l'aime, monsieur. On a dit Philippe Kanizan, père Marie, j'étais au chat! Philippe Kanizan, tu entends les radios, on va aller pour placer un beau bon, là, on va passer, ok? Mais sans qu'on va dire, tout. Le Philippe est de noir ici de là. Couchat. J'ai pas ici de couchat.
Kazak, comment nous est bienvenue dans ce débat. Comment nous est Nous sommes le coup, nous sommes le petit en ville, nous sommes tous habitants de ce communal là, parce que nous habitons Bernier. Ou c'est Kazak Bernier Kazak, super. Rappelez, non. C'est pas un aller pour défendre en dehors, monsieur. C'est pas un aller tout à l'heure, ça boule là. C'est pas un aller, campé dehors pour défendre. Ok, et avocat à la soeur, relais Sefouane, 38, 35, 42, 35. On a le correspondant avec Philippe Anissan. Ok, qui paye avec une cochate. Oui, nous sommes M. Charles Jude. On a les Charles. Charles Jude, c'est 15e, 5e section, Belle Chadonnière. Ok. Particulièrement, Pernier, ou de frère. Comment Pernier, je veux dire, bon, c'est pas. Parce que le matin, qu'on est Pernier, si nous, et moi, et l'appui, t'es chargé. T'es chargé. Pour le mois d'avril là, mon pénis prend la rue, après le mois, faut faire la baille. Bon, tu peux te citer vite là, à partir de Saint-Clair, mais faut te faire la route là, pour te baisser la population, mais qui va t'en du tout. Ou qu'est-ce ça spécialement, vu qu'on parle en pile dans la population, parce que les jeudis, à travers les votes budgétaires dans le Parlement, qu'on a la population apprenne que, tu as 200 millions de gouttes qui étaient pour pérenner avec votre boule là, que 200 millions de gouttes qui étaient pour pérenner avec la boule là, que l'embête est déplacée pour aller dans le sud. Quand il y a un doute, nous avons proposé matin pour commencer à prendre la rue, bloquer la rue. Mais nous, quand c'est que matin là, nous avons déplacé avec le sénateur Sénatus, qui nous jusqu'à présent, comme l'arrêté, alloué avec Pétionville pour route là. Okay. Mais nous-mêmes, nous avons bagaille. Nous venons du premier moment pour la population, hein, jusqu'à présent, et par rapport avec parole, le sénateur dit nous comblons là. Il va bien couper la rue. Le sénateur Zokigi. Oui, le sénateur Zokigi dit nous maintenant que là. Ok. Mais le problème qui est arrivé là, on est 200 millions de gouttes. 200 millions de gouttes. Pour Pernier. C'est pour Pernier. C'est pour Pernier avec route la boule là. Très bien. Mais le problème là, il y en a d'ailleurs, je veux dire, il y a deux gouvernements qui en place là. Oui. Même le CPTCA, lui-même, là. Mais je veux dire, il y a un problème de ministre de finances avec ministre de planification, parce que comme là, pour le passer, il faut passer dans la planification de finances pour les bloquer. Très bien. Alors nous-mêmes, nous disons que, étant que Kazek, responsable, nous dit, a dit que nous nous posons avant-garde pour comme ça. Parce que je dis, nous a dit à 20 jours de fermeture à l'année fiscale là. Très bien. Comme là, on a pas été débloqué pour Peigny. Mais pour Peigny, en fait, j'ai un technicien qui a fait cette deal là. Il va demander de 600 millions à 800 millions de gouttes de bout de la fête. Alors, nous l'avons prêté là avec sénateur, sénateur Kato, sénateur et sénatrice, Patrice Dumont, avec tout le monde qui est dans la communauté, à Maïs, tout le monde sénateur. Député, pour nous veiller l'argent, ça, parce que nous avons prendre à l'autre côté. Moi, même temps, j'ai demandé pour nous planifier quoi pour le budget 2019-2018 là, pour mettre 400 millions de gouttes pour peigner, à ce que pour la fini dans au moins un ou deux ans. Je dis à là, c'est une situation grave pour nous peigner. Alors, nous sommes appelés à nous peigner, pour c'est parce que jusqu'à présent, l'argent là. Et nous, même avons avec l'autre autorité, pour que là, qu'a fait ou peigner. Nous devons faire manifester. Nous devons poser. Et nous sommes mis en garde. Avec M. Sayo, qui a pris un corps, détourné un corps, là, nous disons, nous disons, et tu as peigné, nous disons, il y a un responsable, c'est capable de peigner. Parce que je veux dire, si on a le peigné pour les gens qui nous vivent, vous avez dit, nous sommes comme ça, nous allons manger. Et nous passons là tout, pour nous dire tout, situation casse-cou. Très difficile. Je veux dire, à un an, trois mois, nous installer, très difficile. L'État n'a pas payé pour casse-cou, c'est tout le pays. Je ne veux dire, il y a 6 mois de. Non, mon secret là, mon secret là, mais mon secret, jusqu'à présent, mon secret là, il a travaillé dans le communal. Ok. Mais, le fonctionnement n'est pas bon. Ok. Et même, dans le budget, il y a eu pouvoir et de gouttes pour Kazakio. Il va arriver. Nous voyons Kazakio va venir. Kazakio, c'est un grave. Alors, nous avons souhaité gouvernement, puis d'un jour, nous avons surtout. La capacité de Kazakio, nous avons embrassé cause Kazakio, mais jusqu'à présent, pas ça. Kazakio, passez-vous avec Kazakio. C'est cassé pour être habitant de ce communal. Alors, nous avons avec le gouvernement, ressaisi le cas avec la collectivité. Malgré nous, on a dit à tout le monde qui a fait là, nous avons une proposition que les députés ont fait pour la construction de la commune. On a cassé le passé de ce communal, on a cassé la commune et puis on a demandé tout pour y aller avec nous. Ça va beaucoup de l'application. Je pense que. Ça va beaucoup d'application. Non, ça va pas capable. Non, mais les députés, les gens ne peuvent pas voter parce que ça, le peuple a abus. Nous avons dit à nous plus, nous avons fait. C'est ce que nous avons cassé qui là, déjà, la difficile. Bon, nous disons pour nous venir, pour nous finir, comme venir là, en attendant, nous avons été là en avant-garde pour nous battre, pour Kobla faire le projet route là. Et nous même cassé qui, nous avons gommé avec le sénateur pour que. Comme là, fait route là, d'accord. Là je vais venir. Merci beaucoup. Merci en pile. Donc, c'était donc Kazak
Et Peigneur. Et Josué, en forme? Eh bien, nous en forme, rendez-vous demain. Eh bien, merci tout le monde. Rendez-vous demain 10h pour notre émission Matin Débat. DJ Ah, déjà là pour toute émission. Et DJ Nalla, et sous Radio Éclair. Continuez à écrire nous, on a continué à faire débat. 44, 54, 57, 57. Merci tout le monde. Paulmapalais.com.